Eh bien, bonjour à toutes et à tous. La transition est parfaite. Bonjour, bienvenue. Attendez, je monte le son. Voilà. Comment ça va? Moi, ça va. Il est quelle heure? Il est 18h36. Et vous savez, à chaque fois au début, je fais une petite coupure. C'est pour la VOD de ma chaîne YouTube. Qu'est-ce qui fait chaud ici? Allumons cette climatisation. Voilà. Alors, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce Hello Hell. Je vais jouer. Eh bien, ce que vous allez me dire de jouer un petit peu comme d'habitude, mesdames et messieurs. On va faire du 5v5 en mode aveugle, n'est-ce pas? Puisque nous avons le jeu en français exclusivement. Et alors hier, on avait fait une Aram, un peu bordélique, hein, l'Aram. Moi, je ne connaissais pas. Et c'était un peu le bordel. Alors, chance pour moi, j'ai eu Caitlyn en random. Mais là, peut-être que ça ne se passera pas toujours comme ça, j'en sais rien. Alors regardez, en fait, on est déjà dans l'écran de sélection des personnages, mesdames et messieurs. Donc, c'est à vous de me dire. C'est à vous de me dire qu'est-ce qu'on va devoir jouer dans cette partie. Là, pour l'instant, avec moi, qu'est-ce qu'on a? On a Ezreal, on a Wukong, on a Xin Zhao, que j'ai joué hier, qui était assez bof. J'ai pas trop aimé ce héros. Et on a Starvin 1-2-3 qui a joué je ne sais pas quoi. Donc voilà. Je ne sais pas. Alors on me dit Cartus mid. Beaucoup de Cartus mid. Je vais écrire ça. Canaille Cartus mid. Alors je ne connais pas Cartus, hein. Vous me dites de jouer Cartus. Ah ouais, c'est ce héros nul. Oh non, il est nul. Oh la vache, j'aime pas ce héros. Bon, c'est pas grave. Alors vous savez, en maîtrise, je suis full AD. Il n'y a pas de problème, on s'en fout. De toute façon, à mon niveau, eh bien... Non, c'est pas qu'il est nul. Non, c'est pas qu'il est nul. Ceux qui ont vu mon stream d'hier savent pourquoi je dis ça. Je ne le trouve pas nul, bien au contraire. Mais c'est juste que je ne l'aime pas. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que ces skins? Alors, trop moche, statut de Cartus. Cartus Faucheur, Cartus Pentakill, bien sûr. On y croit tous. Donc voilà, il ne reste plus que... eh bien, ces joueurs-là, l'Invocateur 3 qui n'a pas encore sélectionné son personnage. Il est là, l'Invocateur 3, il n'a pas encore sélectionné son personnage. Alors que les 4 autres ont, eux, sélectionné leur personnage. Quel est son niveau? Eh bien, très élevé. Tu vas pouvoir le constater assez rapidement, de toute façon, avec... Et bien ce qu'il se passe dans cette partie. Jab, use as much as you can your ultimate, please. Alors moi, je ne connais pas mes sorts. Il va falloir que je regarde un petit peu comment on fait. Voilà, bon là, il va y avoir le chargement, c'est dommage. Lorsqu'il meurt, il permet de continuer à lancer ses sorts 7 secondes après sa mort. D'accord, ça c'est pas mal. Mais vu que je vais pas mourir, je le prendrai jamais. Créer une explosion à retardement infusion des chaos, ça c'est pas mal. Le mur de douleur, hein, les ennemis qui franchissent... Ah, j'ai pas eu le temps de voir. Bon, ceux qui franchissent le mur, ils sont ralentis et je sais pas quoi, mais ça a l'air de coûter pas mal de mana, donc on va bien voir. Et sinon, eh bien, c'est plutôt une bonne nouvelle. Enfin bon, Zerator, c'est ton passif. Alors oui, mon passif, mais alors moi, bon, vous savez, je suis pas tip-top niveau passif, tout ça, enfin bon. Alors, je vais charger en premier, là il n'y a aucun suspect. Ah peut-être Akali de l'autre côté, attention. Ah bah non, je suis premier quand même alors que je suis en train de streamer et que ça me bouffe des ressources, pas de problème. C'est tout à fait normal, voilà. Alors dites-moi si le son du jeu est trop fort quand j'arrive sur le jeu, tout ça. N'hésitez surtout pas, tu peux prendre le bleu à partir du second, d'accord. Je comprends la moitié de tes mots. Eh bien, il faut ouvrir ses oreilles, peut-être les nettoyer aussi, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est certain, eh bien, c'est que la rediffusion du Hello L de hier, eh bien, arrivera, je crois, demain sur ma chaîne YouTube. Donc, c'est Zerator SC2, ma chaîne YouTube. Donc, logique, puisque c'est du League of Legends. Et voilà. Alors, a-t-il pris du speed avant de... Non, pas du tout. Non, pas du tout. Prenons pas de drogue. Et Akali, Teemo, Maître Yi, Katarina, Xin Zhao. Alors, je connais Teemo, Maître Yi. Je connais pas trop Akali, pas trop Xin Zhao. Même si je l'ai joué, je m'en rappelle plus très bien. Il s'appelle Personne ne vous. Ah, d'accord. C'est super comme pseudonyme, ça. Personne ne vous. Complètement stupide. Complètement stupide. Ah, par contre, apparemment, il va falloir que je refasse mes contrôles. Et j'ai beaucoup de contrôles à faire. Donc, ça va prendre pas mal de temps. Mais je suis quand même middle. Donc, il va falloir le faire assez rapidement. Donc, je ne sais pas. Regardez, j'ai le flash et tout. Je suis niveau 30 maintenant. Hein. Ça y est, j'ai beaucoup pex hier. Non, je plaisante. Je suis encore niveau 12 comme une grosse chips, j'ai envie de dire. Et voici. C'est parti. Alors, je vais prendre mes bottes et mes 3 potes. Non. Reviens ici. Hop. 1. 2, 3, hop, je vais middle. Et là, je vais faire mes contrôles. Alors, attention les contrôles. Sors 1, 2, 3, 4. Sors d'invocateur. Oh là là, attendez, d'abord, je vais tout réinitialiser. Voilà. 1, 2, 3, 4. E, F. Sors perso 1, sors facilité. Machin, ça, je m'en sers pas. Nickel, ok. Sortez la caméra, champion. V. Verrouiller caméra. Ose F. Bienvenue dans la voilà. Faille de l'invocateur. Z, non. Z. S. Q. D. MB4. Hein, je suis en train de tout modifier, c'est normal. Alors A, H, ouais, afficher info champion, ça on s'en fout. Tab, 2, B, utilise objet. Non! Oh non! Ouvrir boutique. Oh, voilà, utilise objet.
C'est un peu mal fait les contrôles. 30 secondes avant l'apparition de Sbire. 30 secondes avant l'apparition de Sbire, téléportation T. Tac, 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 afficher barre de vie, afficher les noms, signal d'alerte, repli, machin, provocation... Osef. Je pense que c'est bon. Je pense que c'est bon, le son du jeu est trop fort. On va le baisser, pas de problème. Tac, 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 tic, touc. Voilà. Le son du jeu est trop fort. Alors par contre, moi, il faut que je me monte un peu le son du jeu, juste pour moi-même. Alors qu'est-ce qui se passe dans la game? Bon. Alors, on a Timo en bas, avec... Ah, lui, il est... Ah oui, c'est lui, Xinzao. C'est lui, non? C'est lui ou pas? Ouais, c'est lui, Goldfish. Ah ouais, c'est celui qui, au bout de la troisième fois, te projette en l'air, tout ça, tout ça. Paye tes contrôles, XD, XD. Ouais, bah ça, c'est un petit peu comme chacun veut, je pense. Très bien animé, Cartus, donc il glisse sur le sol, hein. Il glisse sur le sol, il bouge pas du tout. Très très bien animé, regardez, c'est vraiment magnifique. Oh, je bloque les creeps. Oh, je bloque avec mon corps, je bloque avec mon corps. Bon, le 1, je vais pas le prendre, puisque moi, je compte pas mourir, vraiment. Je vais prendre le mur de... Non, je voulais pas prendre le mur, je voulais prendre la souillure avant. Mais alors j'imagine que ça attaque très lentement et très faiblement et que c'est impossible de la stiter avec ce héros. Ok, je me trompe pas. Alors là on a Sonic, enfin pas Sonic mais le mec rouge là, vous savez, le pote de Sonic tout rouge. Je sais plus trop comment il s'appelle. Ok, d'accord, ça va être la croix à la bannière pour la stite, je sens. Je sais pas comment il s'appelle le héros en face. Est-ce que ce serait Katarina? Non, j'en sais rien. Xitor. Ah si, ça, c'est ça, Katarina. Katarina, ton 1 aide à la stite. Ah bon? Quoi? Ah mais oui, dévastation. Ah mais... Mais fuck. Mais c'est quoi le truc qui fait que je peux lancer des sorts quand je meurs? Ah, c'est le passif, là. Ah, ok, j'avais pas compris, je pensais pas. Mais je savais pas, arrêtez. Ok, donc lui, il me défonce, c'est cool. Alors, comment ça marche, ça? Ah, ok, ça lance une bombe devant moi, là où je regarde. Genre là, tac, ça. Ah ouais. Ah non, c'est là où je mets ma souris. Ah ouais, c'est vrai qu'ils mettent ça, eux. Alors ça, je crois que ça s'appelle le smartcast, c'est ça? Ah, mais moi, je peux pas jouer avec ça, c'est trop horrible. Oh là là, c'est trop horrible. Comment on fait? Ah non, c'est sur le curseur, forcément. Je peux pas le placer, le spell. Oh non, je déteste ça, je déteste ça, je déteste, je déteste, je déteste, je déteste. Je déteste. Comment on fait? Sauf que c'est obligé avec ce sort. Ah, ok. Genre là, faut faire ça. Boum. Sauf que ça ne l'astite pas du tout. D'accord. Et ça a beaucoup de portée? Ça a l'air. Boum. Ah ouais, d'accord. C'est pas ouf, mais c'est pas mauvais. Bon, je teste, hein, j'ai jamais joué ce truc. Oh, on a fait le Bloodlust. C'est très rare. En général, dans mes games, tout le monde meurt. Voilà, double lasted. Hop. Ah, raté. Doublé. Ah bah, il a pas un doublé, c'est Timo qui a fait un double kill. Carrément, pour lancer la partie. Je veux pas arrêter de me casser les noix, là. Oh, raté. Alors, ouais, donc je vais faire ça. Alors, le mur de douleur, ça fait quoi à part ralentir les gens? Résistance magique réduite de 15%, vitesse de déplacement réduite de 40% pendant 5 secondes, la vitesse de déplacement revient lentement à la normale. Ok. Il gagne 20 points de mana. Ah ok, ça c'est bien, quand je fais un last hit, je gagne 20 points de mana. Ouais, donc en gros, faut vraiment flouder ça. J'ai pas vu combien ça me coûtait le premier spell, combien il me coûte le premier spell. 26 points de mana, ah ouais, d'accord. Donc en gros, si je le prends deux fois, ça suffira à me rembourser, ou presque, une bouboule. Voilà. D'accord, j'ai tout compris. Ah d'accord, zut. En vrai, je suis pas très bien. Ah ouais, je suis pas bien du tout là, j'ai pris masse damage. Excusez-moi, hein, c'est le temps que je m'habitue au héros, je suis un peu nul. Hop, raté. Oh la vache, la vache, la vache. Jolie wall, eh bien merci. Merci beaucoup, l'ami. Je te félicite. Oh god damn it. Il me déboîte, hein, là. Oh là 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 là, c'est chaud à jouer. Moi, faut pas trop que je joue des chips, hein. Je suis un peu débutant, je connais pas les spells des héros en face. C'est un peu chaud, hein, les gars. Un petit peu chaud, cette histoire. Voilà, là, j'ai eu la catapulte. Oh là là, il me déboîte tellement. Faut que j'achète masse popo ou quoi? Oh, zut, raté. Zut, raté. Voilà. Voilà. Oh, zut, raté. Ah, zut, raté encore. Du mal à gérer le cooldown encore de la bombombe. Oh là 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 là, c'est une catastrophe, c'est une catastrophe. Alors là, pour l'instant, il y a 4-0 pour mon équipe, donc il suffit de pas mourir, et mon équipe va me carry normalement. Mais pour ça, il faut que je ne meure pas, et que j'annonce les Miss Middle. Donc c'est comme ça que je vais jouer cette game, je pense. On va voir si... Oh, on va voir si j'y arrive. Bon, j'ai encore le heal et le flash, quand même, pour pouvoir m'en aller normalement. Bon, après, il faut que j'ai le réflexe de le faire, quoi. Oh là 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 là. Donc mon heal est sur F, mon flash est sur E. Oh, punaise, c'est chaud à viser, ce truc. Ah ouais, en plus, si on recule la souris, mais qu'on l'a lancé avant... Oh là là, c'est vraiment chaud. C'est vraiment chaud, je sais pas comment je vais me débrouiller, là. Oh, les morts. Oh là 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 là. Ah, j'ai plus trop de mana.
tenter de flouter les bombes. Je mets la main sur mon heal. Selon vos désirs. Un ennemi a été tué. A tué personne ne vous. Ah. Ah, parce que c'est personne ne vous a tué, c'est pour ça qu'il s'appelle comme ça, quel abruti, punaise. Après une canalisation de croisement, Garfield, tous les ennemis, où qu'ils soient. Où qu'ils soient ? Comment ça ? Oh merde ! Merde ! Ok, bon, moi je sais ce que ça fait maintenant. Oh là là, 3 minutes 15, qu'est-ce que je suis débile, quoi. Excusez-moi, mais je connais pas le spell, c'est pour ça. Là, je voulais faire un wall pour pas qu'il me fonce dessus sous la tour. Bon, après, je sais pas, ça trouve ça a aidé, hein. Bon, je connaissais pas, mais voyez, je préfère gaspiller mon ulti, entre guillemets, au début de la partie. Et comprendre comment il marche, plutôt que de le claquer à un moment où je pense que c'est utile et me faire défoncer la gueule par mes alliés. Voilà, je me suis heal parce que j'ai eu peur, voilà, qu'il me dive, exactement. Voilà. Voilà, meurs. Allez. Ah, je suis mort. Je sais pas comment je suis mort, mais je suis mort. Allez, allez. Allez. Allez, on va se déplacer. Bon, je sais pas comment je suis mort, parce que je dois avoir un dot, en fait, mais je connais pas le héros d'en face, donc bon. Pas trop de problèmes. Alors qu'est-ce qu'on va acheter? On va acheter le bâton séculaire. Ça m'a l'air pas mal. Je ne connais pas. SS Middle. Alors, embrasement, bonjour. Chaussure de sorcier. C'est là que ton ulti aurait été bien. Bah ouais, je sais très bien. Je vais acheter ça, hop, très bien. Vous ne me conseillez pas, parce que vous êtes des radins. Je peux pas acheter de jalon, je suis un peu déçu. Mais voilà. Allez, on y va. Hop, ah, y a un mec qui a mis il est mauvais. Alors bien sûr, je suis très mauvais. Ma satisfaction. Le but de ce stream est de vous énerver. Exactement. Ton 3 te permet très bien de farm. Ah bon? C'est-à-dire le 3 c'est quoi? Cartus, tu unité. Ah oui, non mais oui, d'accord. Ah mais fallait activer. Attends mais. Ah non. Ah oui, d'accord, ça draine de la. Oh là, putain. Compliqué. Compliqué cette histoire. D'ailleurs, si je l'active, ça fait quoi? Draine 30 points de mana pour infliger 30, ok, scaler sur machin, points de dégâts magiques aux ennemis proches de chaque seconde, ok. Bon, d'accord. D'accord. J'avais dit Miss Middle. Aha! Bougre! Aha, c'est vraiment chaud de la cite avec ce héros. Enfin, de la cite sans les bombes, je veux dire. Vraiment chaud. C'est bien fait pour sa gueule, Timo. Je hais ce héros. Beaucoup trop imba, quoi. Je pense que je le jouerai jamais tellement il est imba. Dans mes mains, ça pourrait faire tellement mal. Mec, il se la pète pas du tout. Alors, comment ça se place ce mur là? Ah, ouais, d'accord, c'est autour de moi. Oh là là. Plutôt pas mal. Comment ça, il s'est TP à droite là? Quoi ce bordel? Oh là là, je suis assez mauvais en last hit, hein, excusez-moi. Je me sens pas très bien là. Hop là. Je gagne 27 points de mana et ça me coûte 32. Faut que je le refasse encore une fois. Bon, il y a 9-3 pour l'instant. Je suis mort une fois. C'est pas bon du tout, hein. J'avais dit qu'il fallait pas que je meure. Et je suis mort une fois sur cette game, je vous l'ai dit. Doublé ennemi. Ah, il veut qu'on aille sur Timo. Le problème c'est que c'est lui qui a une charge, pas moi quoi. Ouais, je peux pas mec. L'unico frutto della mort. Ça recommence. Et la banane. Et oui, j'ai besoin de chanter sinon je suis moins fort. Hop là. Meurs. Oh, meurs. Allez. Ah, je vais mourir, zut. Je vais mourir là. Ah, je pense que je vais mourir. Non, je suis pas mort. Ça va. Ah oui, il fallait que j'active ma zone, il fallait que j'active mon 3. Excusez-moi. J'ai complètement oublié, je suis désolé. Oh, se calme tout de suite. Tu te calmes. C'est ça, sors de ta zone. Bâtard. Aucun moyen de regagner des HP par contre. Et ouais, dommage. Ah, il va me lancer son truc là. C'est relou. Pas très pratique ce truc sur le curseur là. Enfin, c'est pas pratique, c'est que c'est la première fois que je vois ce système, il faut que je m'y habitue. Par contre, ça permet de jouer assez safe. Bon, là, j'imagine qu'il y a un mec qui va arriver par la gauche, non? Voilà.
Voilà. Voilà. Oh, le champignon! Aïe, 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 le champignon! Le champignon! Voilà, bon, je vais me casser. Je me casse, là. Vous voyez, le but, c'est essayer de pas mourir. Faut que tu fasses la zone! Alors, je sais, ouais, la zone, c'est vrai. J'ai un peu oublié. J'ai un peu oublié, je suis désolé. Alors, la boutique. Je vais finir mon truc, là. Moi, je fais les objets recommandés. Pas de problème avec ça. Ça fait quoi, ça? 290 PV, 325 mana, propriété passive, quand vous gagnez un niveau, rentrez dans 8 secondes. Ah, c'est pas mal. Des jalons maintenant rachetés, des jalons et des popos. Allez, on y va. On y va, on y va. Allez. Je vais middle. Bon, j'ai 46 lastites en 11 minutes, c'est pas top. Moi, à mon niveau, hein, mon niveau, je sais qu'après votre niveau est plus élevé en général, mais moi, à mon niveau, j'estime qu'il faut faire environ 50 lastites en 10 minutes. C'est à peu près ce que font les gens dans le jeu à mon level. Donc là, Katarina 56, lui, il est plutôt pas mal. Enfin, il est plutôt dans les standards de mon level, quoi. Voilà. Alors, tu fais plus mal sur ton 1 si tu le places sur une cible. Ah d'accord, c'est comme... d'accord. Ok, je vois. Je vois. Ah donc là j'ai gagné, j'ai perdu quasiment pas de mana. J'ai perdu une vingtaine de mana en tout. En fait si on prend tous les creeps de la lane, c'est vraiment... vraiment worth it quoi. Ah, là j'ai perdu très peu de mana et j'ai eu pas mal de lastite. Ouais, en fait il est vraiment pratique pour lastite ce héros. Non, j'en ai eu aucun. Ah voilà. Nanana. Utilise ton 3. Quoi, ça marche sur les tours? Oh, ça marche pas sur les tours, qu'est-ce que vous racontez? Oh merde. Hop là. Hop là. Hop là. Bon, je me casse. Je vais désactiver mon 3. Ah, meurs! Ah, ça va. Oh, il va me sauter dessus! Oh! Oh, la paix! Et ouais, tu me poursuis pas, moi! Tu me poursuis pas! Ah, mon dieu! Mon dieu! J'ai le flash, no stress, no stress, tout va bien. Le lastite! Oh, je l'ai eu, c'est bon. Oh, mon dieu! Satisfaction. Allez. Oh. Lui il est pas commode hein. Il m'aime pas trop. C'est ça, poursuivez moi. Pendant ce temps là mon équipe est en train de vous défoncer vos tours. Alors je sais je touche pas trop pour l'instant. Hop. Hop. Votre équipe a détruit une tourelle. Détruit une tourelle. Ah, j'ai pas eu le creep là ici. Allez. Bon. Champignon, est-ce que je peux le détruire comme ça à votre avis? Ah ouais, je peux le détruire comme ça, trop de shit. Trop de shit. Alors là c'est trop de shit. En fait je suis le contre de Timo. Ça c'est trop de shit. Allez. Leur douleur et ma satisfaction. Utilise tes wards. Ah oui. Les jalons. Allons-y. Ah non, je peux pas. Ah en fait, je pensais que je pouvais détruire le champignon. Mais en fait. S'il faut. Mais en fait, non, pas du tout. Je vais mettre mes potions là, hop. Bon, faut que j'aille faire du lastite. Faut que je fasse du lastite pour gagner de la mana. Sans en dépenser de préférence. Aïe. Raté. Oh merde. Merde. Allez hop. Alors, j'ai claqué mon flash mais je suis pas mort donc bon. C'était assez rentable. Combien de mana là maintenant? 44 de mana à la mine. Ah c'est chaud. Ah c'est chaud, c'est chaud. Oh là là, oh là là, j'aurais pas dû. Oh j'aurais pas dû. Ça va. Bon je me tire. Je me tire. Heureusement qu'il a mis une ward. Ouais c'est vrai que je regardais pas trop la ward là. J'avoue, j'ai un peu sux. Mais je suis pas mort donc ça va. En plus je peux acheter ma baguette explosive. Ça coûte combien ça? 850. Bon je peux l'acheter déjà long hein. Voilà. Votre tourelle a été détruite. Il y a 19-8 pour l'instant. Ça a l'air d'aller. On n'est pas encore à 20 minutes. Donc ça va. Alors. Voyons voir. J'achète des jalons. Je peux ward toute la carte comme ça. J'aime bien la ward ici là.
Oh, par là. Interruption. Il est là, non? Il y en a un là. Ou alors il est genre à droite maintenant. Il est parti où? Il est parti où? Oh, j'ai encore mon ulti, je sais, je l'ai vu, les amis. Oh, attendez. Meurtre en série. Je vais partir par là. Ah, il est là. Ok. Je l'ai pas attaqué parce que je connais pas le héros en fait. Meurs! Meurs! Voilà! GG, il a survécu. Je vais rester à côté de lui un petit peu. Poser une ward ici. Voilà, c'est parfait. Je l'ai pas attaqué parce que je ne voulais pas qu'il meure. Alors est-ce que ça par exemple là ça fait des dommages au creep? Ah ouais, ça fait un peu de dommages au creep, ok. Bon, d'accord. Mais ça coûte tellement cher en mana là. Pff, c'est un peu relou. C'est un petit peu relou. Ah, il y a deux wards, ok. Ok, donc j'ai posé ma ward avant celle du mec. Donc c'est lui l'abruti. Enfin, moi je n'ai pas vu. Oh, meurs! Meurs! Bah non, meurs! Adieu la mort! Et il meurt! Doublé! Oh la grosse luck! J'avais même pas vu que l'autre il était en mode j'ai plus de vie. Et voilà, le doublé. C'est aussi ça d'avoir du skill. Et oui. Oh, calme. Voilà la di la di la la. Et la banana. Na 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 na. Alors, bon, là je vais me faire attaquer. J'ai encore mon heal, donc c'est plutôt pas mal. Alors du coup, vu que c'est en ce qu'on appelle smart cast, j'imagine, on peut annuler un spell quand même. Ah. Ah, j'ai mon heal. Hop, je me heal. Aïe, 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 je vais mourir quand même. Aïe, 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 aïe. Je vais aller dans le champignon en fait qui était là. Mais j'ai pas eu le temps. Oh, il l'a eu, nice. Ah, c'est cool qu'il l'ait eu, je suis content. Alors, je vais prendre mon... Ouais, c'est vrai, je pouvais encore faire des spells, j'avais oublié. Je vais prendre mon... mana rendu, coût en mana par seconde. Ah, ça coûte encore plus cher, je vais prendre le 2, vas-y. Invincible. Maintenant je vais me mettre à faire ça. En commençant par la mana bien sûr. Et en achetant un jalon. Deux jalons même. Trois jalons, allez hop, j'avais assez pour trois jalons. Y a pas de raison, achetons des jalons. Donc les wards c'est la vie dans les MOBA, je le sais. Et donc j'en achète énormément. Alors on y va. Le but c'est de mourir au milieu des autres. Effectivement, ouais, j'ai compris. Parce que si tu fais ton 3 et que tu meurs, ça fait méga mal. Donc voilà. Alors qu'est-ce que c'est ça? Ok, donc lui il est mort. Je peux pas t'aider mon gars, je suis désolé. Il a TP sur... Je comprends rien. Oh la chance! Il a eu de la chance là. Il TP pile sur lui. Ah, j'ai raté. Oh la masse de la stit! Oh la masse de la stit! Oh mon dieu! Nice! Nice! Oh! Raté. Du coup j'arrive plus à faire des lacites normaux quoi. Je me suis habitué à cette bombe. Très pratique. Oh la vache. Raté. Bon, 29-12, ils vont arriver au moment où ils peuvent abandonner. Je sais pas s'ils vont le faire direct. J'en sais rien, mais voilà. Alors. Hop. Oh zut, j'ai pas l'acite. Bon, ils vont venir me chercher middle, j'imagine, là. Je pense que je vais me faire sauce. Bon, j'ai pas mal de wards. Utilisons-les. Ne soyons pas radins sur les wards. On va surtout warder leur forêt, en fait. Histoire qu'ils puissent... Oh, dommage! Je n'attendais pas à celle-là, hein. Ah oui, alors là, je dis ultimate. Et là, je dis tu es mort. Peut-être, je n'en sais rien en fait. Ah si, il est mort. Bon, ok. T'es mort. Ouais, c'est assez facile ce jeu en fait. C'est ça le problème. Oh my god. Ah d'accord, ralentissement impossible. Donc lui, il est comme ça.
Et à force, on lui fait des dommages. Est-ce qu'il va me tuer après? C'est ça la vraie question. Allez! Allez! Ma malédiction! Allez! 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 Meurs! Ah ouais, d'accord. Il se téléporte, c'est ça? Il fait quoi? Quoi? Il l'a pas pris? Bon. Ah oui, la zone, le E. Désolé, j'ai oublié le E. Eh ouais, j'aurais pu le tuer avec ça, c'est vrai. Vous avez raison. Adieu. Adieu. Il y avait l'autre qui arrivait, le pote. Si je me mettais là, comme ça, ils arrivent dans le champignon. Oh! Oh, il vient me charger, il va me charger, au secours! Pardon. Oh, qu'est-ce que c'est que ce mur de merde? J'ai pas du tout. J'ai pas du tout cliqué ici. Parce que j'ai dû me tourner en même temps. Ouais, je sais ce qui s'est passé. Bon, je suis pas top, hein, je suis désolé. Je suis vraiment pas top là. Ah! Je suis mort au milieu de tout le monde! Voilà. Très bien. Très bien. Meurs. Voilà. Bon, je suis mort, mais au moins, j'ai fait ce qu'il fallait. J'ai utilisé ma zone, il n'y a pas de problème. Donc ça va. Bon, 5-3-9, ça va, je me débrouille pas trop mal pour un caster complètement chips. Même si je fais pas vraiment les bons spells, je sais, mais c'est une catastrophe. Le E, c'est magique, tu verras. Bah ouais, mais ça dépense beaucoup de mana, donc c'est vrai que c'est une catastrophe. On a détruit un inhibiteur, pour l'instant, il push middle. Quelle horreur. Je peux pas acheter ma baguette explosive, je suis deg. Bâton de l'archimage. J'ai plus de jalon là. Ah bah on a gagné. On a gagné. Et bah c'est bien. Victoire. On a gagné, c'est bien, j'aime bien gagner. Non, j'aime bien gagner, c'est un bien grand mot. Mais voilà, donc voici les stats. 5-3-9, 6-3-8, 5-1-3, 11-3-8, 9-5-13, 1-6-1. Joli Akali en face. 7-5-3, 2-7-2, Timo, joli aussi. 5-10, à 10, pas mal. 0-8-2, alors ça c'est bien. Mais c'était un français, donc c'est normal. En général, les français sont nuls dans les MOBA. Donc 0-8-2, voilà. 0-8-2, j'avais pas trop de gold. Hein. 6,7K, c'était un peu nul. Mais voilà, c'est une rediff avec Camille XD. C'est une rediff, les mecs, mais qu'est-ce que vous dites? Alors, pas du tout, mais voilà. Alors, niveau gris, comment ça se passe? Ça, c'est pas top. Ça, c'est bien quand on fait du theory crafting de League of Legends, mais alors là. Bof, bof, bof. Hein. Bof, bof, bof. Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Votre équipe, mort 15, assist 15. Ouais, bon, c'était pas top. Petite publicité, on se retrouve juste après, mesdames et messieurs. Donc, à tout de suite, il est 19h04. On est encore ensemble pendant 1h30. Et cette game a duré, je ne sais pas combien de temps. Combien de temps elle a duré? Elle a duré 21 minutes 58, donc c'était pas top. Mais on va recommencer, on va essayer de faire de belles games. Donc, à tout de suite. Donc voilà, on est déjà dans une autre game. En fait, regardez comment ça se passe. On a, eh bien avec moi, Maître Yi, Timo, Tristana et Xin Zhao. Un peu la même compo, en fait, à part qu'on a un Tristana, mais je crois qu'il y avait un Maître Yi et un Xin Zhao avec moi. Non, il n'y avait peut-être pas le Maître Yi, il était en face. Donc lui, c'est un peu Tom Clancy, Splinter Cell. Hein. C'est un peu bof comme skin, je trouve. Mais voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ça grésille. Alors, pas du tout, ça ne grésille pas, vous rêvez. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On Galio, Irelia, Karthus, Kayle, Malphite, Rammus, Sion, Urgot, Ashe, Caitlyn, aléatoire. Non, pas aléatoire, évidemment. Mais bon. Alors, on me dit Galio, Irelia, Galio, encore une fois. Trois personnes qui ont dit Galio. Est-ce que je prendrais pas Galio? Ah, il y a un mec qui a repique et qui a pris Galio. Alors, qu'est-ce que je fais? Il me reste 7 secondes, mesdames et messieurs, dépêchez-vous. Il a pris Galio et il a repique un autre héros. Du coup, qu'est-ce que je prends? S'il n'y a plus Galio, Irelia, Malphite, Malphite. Je vais tester Irelia parce que j'ai jamais testé. Hop, Irelia, voilà. Dites-moi où je dois aller maintenant. Top, bot, mid, jungle. Hop, verrouillé. C'est parti. Je ne connais pas ce héros. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il fait comme spell? Alors, on a
Réduit la durée des effets d'étourdissement de ralentissement. Ça, c'est passif, pardon. Rush fatal. Irelia fonce vers l'avant pour frapper sa cible. Si elle tue la cible dès la récupération de son rush fatal, prend fin. Irelia récupère tantôt. Donc, un truc pour style, d'accord. Irelia maîtrise l'art du. Ah, j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps. Donc, top, solo top, ok. J'irai donc solo top. Merci beaucoup. Donc, je ne serai pas solo, hein, parce qu'il n'y a pas de jungle. Mais j'irai top. Merci de vos informations. Ça sert à rien. Quand je dis j'irai top, ça sert plus à rien d'écrire. Faut aller en bas ou quoi. Bon. Alors, on a deux Irelia. On a. Oh là, des roues que je connais pas. Qu'est-ce que c'est que ça, Anivia là. Je connais pas ça. Ça, c'est Articodin en fait. Non, je plaisante. Kha'Zix. Oh là, qu'est-ce que c'est que ce héros encore là. Aucune idée. Je ne connais pas ce héros. Donc, Alistar, ça c'est la grosse vache laitière. Corki. Ouais. Ok. Kha'Zix. Le pigeon de glace, Anivia. Ouais. Ok. Alors là, nous avons. Waouh! 488, mesdames et messieurs, la pointe est absolument exceptionnelle pour ce joueur. Et Kha'Zix, c'est le new personnage. Ah, donc je fais une game dans les niveaux 12 et il y a un mec qui a le nouveau personnage. Et ben j'ai envie de dire go gadget aux cartes bleues, non, c'est ça? Parce que le seul moyen d'avoir les nouveaux personnages, c'est de les acheter, non? Ah, mais on peut les acheter avec les points, autant pour moi. Autant pour moi. Alors Lord Vater qui est déconnecté, on va faire un 4v5 et on va gagner, ça va être ça là. La magie, finalement. Donc voilà. Lord Vater, déconnecté. Bon. Je ne sais pas, c'était Maître Yi, en fait. Maître Yi, qui n'est pas là, avec un mec à 480 ping. Donc c'est bien, on a un mec qui n'est pas dans la même dimension que nous, et un mec qui n'est pas du tout là, non plus. Dans aucune dimension, donc... je ne sais pas. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on va faire? Invocation. C'est bon, ça va lancer. Parce que là, il y a juste le mec qui est déco, qui n'est pas là. Donc, on y va. On y va. Non, ils veulent pas y aller. Allez, on y va, quoi. Allez. Oh, ah bon. Timo, je croyais que c'était Maître Yi. Timo, d'accord. Ah non, c'était lui, Maître Yi, qui a repique en Galio. D'accord. Ok. Timo. Bon, très bien. Très bien. 143 de ping. Donc il a redémarré tout son jeu, son PC, sa box. Il a tout redémarré. Et comme ça, maintenant, il est là. Bon, 200 de ping, 400 de ping. En face, on a 161, 66. Moi, j'ai 29. 500 de ping. Ça y est, il a atteint la barre des 500. C'est merveilleux. Et il est bien stable. Il est stable à 500. Donc au moins, pas de problème. Il a pas de lag. Il est constamment en train de laguer. Donc c'est comme s'il avait pas de lag, finalement. Donc c'est cool. Alors... Lord Vater, Timo, là, 141 de ping, 96%. Yeah, c'est bon. On est tous en place pour la partie. Alors, rush fatal, donc ça, bon, ok. Alors, passif, les attaques de base, restaure 5 PV. Quoi? Oh, le gros cheater! Oh, je sens que je vais prendre ça. Donc là, faut clic droit comme un retard sur la lane avec ce héros. Irelia transperce sa cible, infligeant 80 points de dégâts magiques et ralentissant la cible de 60. Sur Irelia, étourdit la cible. Ah ouais, je vais prendre ça. Ça fait quoi? Ah, faut quand même que je cible un mec. Donc ça va, c'est assez facile. Je prends ça. Bienvenue dans la faille de l'invocateur. 1, 2, 3. Allez, je me casse, je vais top. Allez. Alors, qu'est-ce que c'est le 4? Irelia invoque 4 lames spirituelles qu'elle peut lancer pour infliger 80 points de dégâts physiques aux ennemis transpercés contre les champions. 25% de dégâts sur le rendu. Ok, mais ça, c'est un gros life stealer là. Complètement cheat le mec. Enfin, la meuf. Alors, est-ce que, du coup, on doit conseiller du leash life, j'imagine. Encore plus. Non, même pas. Faut trouver la voie. Ouais, Banshee. 30 secondes avant l'apparition de Zbir. Oh, d'accord. Je pensais qu'il y aurait du lifesteal en plus avec ce personnage. Donc voilà. Alors j'ai une lame devant moi. Ok, donc lui il danse, ça fait plaisir. Oh yeah. Bon, alors voyons voir. Trinity first. Achète la Trinité en premier. C'est quoi Trinité? C'est pas ça. Si, c'est ça. La Trinité, la Triforce. Ça coûte trop cher, je vais commencer par les points de vie, donc c'est ça, puisqu'elle est tanky. D'abord commencer par les points de vie. Des sbires sont apparus. Tapa. Ah, c'est slash dance, c'est ça? Ah, ça marche? Je savais pas que ça marchait. Yeah. Oh yeah. Ah d'accord, plutôt balèze. Et donc ça, elle peut pas le faire sur les ennemis, non. Genre que les lames tournent et que ça rentre dans le mec, c'est mort, mais alors dès qu'elle veut danser, là par contre, il y a du monde. Ok, c'est parti, on y va. Ça ne marche pas, tant pis.
Alors, est-ce que c'est un distance ou un cac? C'est un cac. Je ne savais même pas que c'était un cac. Donc, nous sommes deux cacs. D'accord, nous sommes deux cacs. Et nous devons tous les deux faire des lastites. Et c'est lui qui va les prendre. Ah oui, parce que c'est assez facile de lastite avec Xinzao. Moi, rappelez-vous, j'en avais assez peu. Mais je me rappelle que c'était assez simple. Et là, on va essayer de brain le mec avec moi. Allez. Non, j'y arriverai pas. Ah si, ça va. Hop là. Meurs. Alors, faudrait que je teste mon spell. Je vais le tester, parce qu'après, j'ai peur de faire des conneries avec. Donc, ça fait quoi? Ok, ça fait ça. Là, je l'ai stun parce qu'il avait plus de pourcentage d'HP que moi, d'après ce que j'ai compris. Hop. Et donc le dash, c'est quoi? Ah oui, fonce pour attraper sa, frapper sa cible. Et ça, ça a combien de portée? Ok, c'est plutôt pas mal. D'accord. Donc là, je tryhard, hein, les gars. Avec précision. Je tryhard. Et Hop. Ah non, c'est si j'ai plus de PV. Si le pourcentage de PV est supérieur à celui d'Irelia. Si, voilà, c'est ça. Quand j'ai moins d'HP qu'un mec, ça le stun. D'accord. Pas de problème. Tu peux lastite avec ton 1 assez facilement. Ah bon? Ah oui, parce que ça marche sur les creeps. Donc là ça a pas marché, j'ai compris, mais... Ok, ah oui d'accord, et du coup, ah ouais, faut quand même que ça se recharge, parce que sinon 13 secondes de cooldown, ça fait quand même beaucoup. Donc eux ils ont un jungle là, c'est ça? Ah, on a fait le Bloodlust, sympa. Bloodlust. Ou First Blood, c'est vous qui voyez. Ah ouais, genre par exemple, j'attends un peu... Tac, hop. 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 Ouais, bon, ça coûte quand même de la mana, donc faut faire gaffe. Passif, donc je vais quand même prendre le truc qui restaure des PV un petit peu. Ah mais du coup, ah ouais, mais ça restaure des PV, mais du coup, je serai plus jamais apte à stun un mec, quoi. Ah, il a quitté la game. Le mec avec moi a quitté la game, donc c'est plutôt pas mal, je vais être seul sur ma lane, c'est bien. C'était le mec qui a mis tant de temps à se connecter, donc c'était le mec à 500 de ping, je sais plus. Faudrait que ça rende aussi la mana, quoi, quand tu last hit. Mec. Mec, déjà, il a un héros cheaté qui se rend des PV tout seul, là. Monte ton 2 en premier. Ok, pas de problème. Oh, je l'ai raté. Voilà, tu vas recommencer à pas me gonfler là, hein. Hein, tu te calmes, hein. J'ai mon heal, moi. Tu te calmes. J'ai mon heal, mais il le sait pas. Hop là, le heal. Oh, ça a pas suffi, punaise. J'ai flash, mais est-ce que j'aurais dû? Allez, bim. Allez, je vais me TP. Ah, s'y attendez pas à celle-là. Bon, je me téléporte. J'ai assez de trucs. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais monter le 2 en premier. Je vais prendre des PV, paf. 475. Ah mais j'ai pile pas assez pour... Oh c'est relou. Bah c'est pas grave, je vais acheter des jalons. Allez. Allez, quelques jalons. Ça fera pas de mal. On y va. Allez, on avance. Cat ward top. Exactement. Voilà comment ça se passe. D'ailleurs je vais aller en poser une... Non, je vais d'abord rester seul sur ma lane vu que je suis tout seul. Je vais essayer d'XP. Alors. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Ah ouais, du coup, sous les tours, c'est pas mal. Ah ok, bon, faut que je m'habitue un petit peu au damage que ça fait. Oh. Raté. Encore raté, punaise. Je suis mauvais. Vraiment mauvais. Meurs. Allez, meurs. Ouais, c'est ça, dégage. Alors, coup en mana qui augmente. Je me souviens plus, ça c'est quoi? Transperce, ouais. Un allié a été tué. Ah, deux secondes, attendez. J'sais pas trop quoi, up en premier. PV rendu, 7-9, dégâts bruts. Le 2. What the fuck? Est-ce que je peux le faire sur les alliés? Je teste, hein. Non, je peux pas. Ça me permet pas de m'escape. Bon, je suis tout seul là-haut, les gars, là, c'est un peu relou. En plus, Alistar, la grosse vache laitière, là, qui stun, qui charge et compagnie. Alors, si, j'ai up ça, les gars. J'ai up ça. Vous m'avez dit de up le 2, j'up le 2. C'est pas ça, le 2, pour vous? Ok, j'aurais pas dû foncer, c'est vrai. Je suis d'accord. Non, mais là, je vais clic droit un petit peu, ça me rend des PV. Ouais, mais c'est pas suffisant, quoi. C'est ça le problème, c'est que c'est pas du tout suffisant. Et donc l'ulti c'est... Je sais plus ce que c'est. Pourquoi je peux monter deux fois? Ah non, je l'avais juste pas cliqué. Je suis un peu bête.
Yeah, je l'ai eu avant. Alors l'ulti c'est quoi déjà? Invoque 4 lames qu'elle peut lancer pour infliger. Bon, je vais le faire une fois pour pas faire de conneries je pense. Oh nose. Oh nose, 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 nose. Et die. Nanananana. En fait je vais plutôt clic droit comme ça parce que ça me rendra des PV quoi. Mhm. Yeah. Et je vais aller poser mes wards. À moins qu'ils soient déjà là-dedans. Non. Nice SS, idiot. En même temps, moi, qui m'a fait mon SS de Alistar? Hein? J'ai envie de vous dire. Qui sur les snorkies? Hein alors? Bon là, comment je fais? Alors j'ai dit, le but c'est de pas trop mourir, de prendre l'expérience. Et ensuite, c'est tout à fait bien. Hop, le 2 encore une fois. J'ai très peur d'avancer là. Prendre une popo, tiens. Quand même beaucoup de popo. Il faut s'en servir. J'aurais pas dû. Et voilà, vous voyez là, je sais pas ce que fait mon outil. Du coup, je sais pas comment ça marche. Ouais, mais je sais pas comment ça marche quoi. Du coup, c'est relou. Et ouais, je sais pas comment ça marche. J'ai pas bien compris comment ça marchait. Bon, j'ai failli le tuer, c'est dommage. 4 lames qu'elle peut lancer. Donc en fait on l'active et après on le réactive. J'ai spam 4. Appuie 4 fois sur ton ulti, ça te heal comme le coup de Cartus. Ok, bon. D'accord. J'espère que je comprendrai mieux la prochaine fois. Parce que là, c'était pas brillant. Bon, je vais pas racheter de jalons, j'en ai assez. Enfin là, 2 ça suffira, je viens de poser ceux-là. Avec précision. Quand on va aller top. Et donc là on a 2 mecs qui sont partis, c'est ça? D'accord. Bon, c'est plutôt bien. Plutôt cool. Non, il y a un mec level 7, lui doit juste attendre quelques gold, j'imagine. Je suis level 7 aussi. Et ça, c'est... C'est quoi ça? Tristana. D'accord, Tristana, très bien. Donc on y va. Bon, lui, il est pas là, il reviendra jamais, je pense. Est-ce que ça se gagne, un 4v5 à League of Legends? Je ne sais pas. Je ne connais pas. Oh non, j'avais oublié! Alors le flash, je pensais qu'on pouvait viser en fait pour aller à l'endroit où on souhaitait aller. Avec mais en fait, ça va sur le curseur direct. Est-ce que le flash est forcément en smartcast ou pas? Parce que du coup, si le smartcast est activé, je vais peut-être le désactiver. Parce que ça me gêne beaucoup par exemple. Moi, j'ai l'habitude de viser. Ah, il est forcément en smartcast le flash. Ah ok, bon. Bah je savais pas, j'avais pas remarqué. Moi, je cliquais toujours avant, bon. Tant pis, c'est pas grave. C'est pas grave, enfin si, c'est un peu grave, ça fait chier, mais bon. Ça fait un escape de moins. J'ai que mon heal maintenant. Le flash te fait aller là où regarde le héros. Ah ok, c'est même pas genre... c'est même pas là où est ton curseur, c'est... carrément là où il regarde, quoi. Froc. A tué Little Loli. Alors ça se... Si, c'est le curseur. Ok, c'est le curseur. Ok, ça marche. Et donc c'est gagnable le 4v5 à LOL. J'avoue que j'ai pas vu la réponse, mais bon, j'imagine que oui. J'imagine que vous allez me dire oui. Oh, je l'ai pas eu, putain. Enfin, punaise, pardon, pas putain. Je vais pas être vulgaire. Oh là là, qu'est-ce que je fais peu de lastite là. Oh là 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 là, c'est pas brillant là. 32, ouais, j'ai une vingtaine de lastites de retard. C'est vraiment bof. Oh là 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 là, c'était pas up pile au bon moment, je suis dead. Oh non, j'ai visé le héros, quel imbécile. Ah, là, j'assure pas un cachou là. J'assure pas un cachou là, les amis. 9-4. Toujours pas revenu l'autre. Ok, faut finir vite à 4v5. Ouais, bah ouais, j'imagine. Allez, la catapulte là. Je vais te lastiter. Ah bon. Donc là, ça va un petit peu moins. On est un de moins. Ok, donc là. Ok, j'ai. Il a envoyé toutes ses lances à l'ouest. Quel abruti. Donc j'avais pas compris. En fait, ça lance des lances devant moi. Ok. Moi, les gens m'avaient dit ça me heal, donc j'ai complètement foudé mon ulti comme un débile. Je crois que j'ai compris. Avec précision. Je crois que j'ai compris. Il faut le lancer sur les ZB. Et encore, non, en fait, je suis pas sûr d'avoir compris. Ah, il a raté son truc, ça m'arrange bien. Ah, mais, flûte, je vais mourir. Bon, bah, je suis mort. Et en fait, comment je fais pour gagner ma lane là en fait? Ça les lance vers ton curseur.
Ok, ça les lance vers ton curseur. Ouais, d'accord, j'ai pas très bien compris, mais... Bon, si, si, j'avais compris que ça allait lancer vers le curseur, enfin, j'avais remarqué. J'ai mon phage, le farming le plus lent du monde, et je suis déjà mort deux fois. Bon, j'ai fait un kill tout à l'heure au début, mais... Là, depuis qu'il y a Alistar sur la lane, j'avoue que je lutte un petit peu, mais c'est parce que je n'ai pas assez de jalons, peut-être. Voilà, je vais racheter des jalons. Ce sera parfait, à mon avis, avec quelques jalons. Voilà, allez, repartons. Est-ce que je balance un Kendushit top? Est-ce que je balance un petit Kendushit ou pas? Je ne sais pas. Mais du coup, c'est chaud parce qu'on peut pas fuir et... On peut pas fuir et faire son ulti, quoi. Vu que tu balances tes lames dans la truc. Enfin, d'après ce que j'ai compris. Donc là, il est tout seul. Ah, il est tout seul. En avant. Je suis level 8, il est level 7. Bon, après, je suis tout seul, c'est normal. Oh! Oh, il est revenu! Il est level 3. Sorry, had internet issues. Oh, really? Bon, je vais faire tous les last hits comme ça, tant pis. Ça va me coûter un peu de mana, mais il faut que je revienne dans la course du last hit. Ah, je l'ai eu. Nickel. Je l'ai eu quand même. Je l'ai eu quand même. Voilà. Ionia vaincra. Il faut revenir dans la course du last hit. Votre équipe a détruit une tourelle. Oh, mon équipe a détruit une tourelle. Bah alors, c'est magnifique. Meurtre en série ennemie. Tu recules, tu mets ta souris sur les mecs. Ah oui, d'accord. Compris. Compris, c'est ce que tu veux dire. Ok, là je l'ai raté, je sais pas pour quelle raison. Il est mort juste avant peut-être. Ah oui, c'est sûr même. Oh non, je vais die. Oh, je vais die. Et ouais, c'est wardé, mon pote. Mais comme t'es trop lent, t'as pas vu. Qu'est-ce que t'es nul. Nul. Ah. Irelia didn't help. Ah ouais, c'est moi, Irelia, non. Oh, mais je peux pas t'aider, mon gars. Attends. Je vais en placer une là et une là-bas à droite. Ce sera parfait. Allez, on y va. Je vais, la placer là. J'aime bien cette ward. Méga utile. Un peu risqué de la placer, j'avoue. Mais. Ah, c'est bon. Le pigeon de la lumière. Attention! Attention, mec. Que la justice nous guide. Oh mon dieu. Si j'allais là-dedans. Non. Là. Là. Allez. La vérité triomphera toujours. Oh, c'est quoi ça? Je connais pas, je m'en éloigne. Ok, je... Ah ok, j'ai compris. J'ai compris pour l'ulti, les gars, c'est bon. J'ai tout compris. Je pensais pas qu'on pouvait le lancer en arrière, même si on reculait. Je pensais qu'il fallait quand même que le héros se retourne. Ce n'est pas le cas, c'est parfait. Tu m'as raté, pigeon des glaces. Oh, j'ai raté mon truc. Bon, j'ai plus trop de mana. Il est trop tard pour reculer. Ah, du coup, c'est... Oh là 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 là, alors là, alors là. Alors là. J'aurais pas dû faire ça, pourquoi j'ai fait ça? Je suis trop sympa avec mes potes. Ah ah. Il a flash, punaise. C'est bon. Voilà, c'est bon, nickel. On a tué tout le monde. Nickel. Bon, alors c'est parfait. Ils se sont bien suicidés en tout cas. Ça coûte combien de mana la charge? 75, bon bah il est mort. Voilà. Ah zut, il y a le cocon là, je savais pas. On peut faire ça, d'accord. Et ça fait quoi en fait? Ah d'accord, il revient full life, bah oui. Bah oui, full life, pourquoi pas? Pourquoi il reviendrait pas full life après tout? Après tout. C'est pas grave, je veux dire, c'est pas grave. Fallait le taper, ok. Je ne savais pas, bah maintenant je saurais les amis. Bon, il me faut de la mana, donc je vais acheter ça direct. Avec donc, vitesse d'attaque ou crit, vitesse d'attaque. Ok, j'ai assez pour un jalon. Nullement, c'est pas grave, go top. Allez, go top. Je vais essayer d'aller prendre cette tour quand même. En 9, il avait quasi plus d'armure. Donc faut le tuer en une deuxième fois. Ok, il était entre deux tours, tu pouvais rien faire. Et ouais, c'est ça. J'avais bien compris, l'ami. 14-7. Invincible. Donc Valren est un génie. Valren, c'est celui qui joue Tristana. Il fait du 8-2, moi je fais du 3-2 hein. Bon, c'est pas top, mais ça va, c'est pas non plus nul. Push mid, me dit-on. Va me défendre cette lane avant. Oh non, j'ai encore raté, mais quelle imbécile là. Quelle imbécile là. Oh la vache. C'est quel spell déjà qui stun si j'ai moins de PV? C'est le 3, je crois.
ça ? Ouais, c'est ça, c'est le 3. Le deuxième de l'ulti. Raté. La tour qui va target des creeps en premier pour toujours. Bon, je prends la tour. À l'aise. À l'aise, je prends la tour à l'aise. En fait, non, pas à l'aise du tout. Je fais pas mal de last hit là. Je fais pas mal de gold. Oh zut. Ah, tape la tour. Il arrive, Alistar. Oh mon dieu. La tour. La tour. Je l'ai eu. Allez, meurs, Alistar, meurs. Tu vas crever, oui. Oh, meurs. Oh, dommage, t'es chaud. Si j'avais pris ma potion, j'aurais tué cet homme. Mais finalement, j'ai oublié ma potion, parce que je n'ai pas encore les bons réflexes du jeu. Donc, eh bien, je suis mort. Voilà, tant pis. Pour la prochaine fois, eh bien, je le saurai, et peut-être que je gagnerai cette fois, c'est pas grave. Dommage, dommage. Eh, mais j'ai vu hein, les cooldowns et tout, j'y étais presque, j'avoue. Bon, au moins, j'ai pris la tour pour mon équipe, ça, c'est pas mal. Ah, tu as engage sous la tour. Non, j'ai pas engage sous la tour. On m'a engage sous la tour. On m'a engage sous la tour. Enfin bon. Fallait pas attaquer les stars tout de suite, tu as pris l'aggro de la tour. Ouais, c'est vrai, mais j'avais pas le choix. Oh là, oh là, oh là. Parce que dès qu'on attaque un héros sous une tour, on prend l'aggro. J'avais vu ça. Doublé. Pendant ce temps, mon équipe roule sur tout le monde. Bon, j'ai pris la tour. J'ai pris la tour là, je vais aller mid maintenant. Oh là là, il fait tellement mal lui. Tristana, il les déboîte quoi. 11-2-5. Il est en train de les défoncer. Là, il a fait un triplé. Ok. Ah oui, si, je l'ai ulti, d'accord. Je vois ce que vous voulez dire. Mais viens par là. Oh, il a voulu sauter, il a pas eu le temps. Oh, il a pas eu le temps. Too bad. Ah, tu veux me tester. Ah, tu veux me tester. Oh, au revoir. Aha. Bonsoir. Aha. Dans les airs. Allez, meurs. Voilà. Imbattable. Imbattable Lord Vater. Imbattable Lord Vater. Toujours le même hein. Je vais faire mon 1, moi j'aime bien le 1. Voilà, j'ai raté mais c'est pas grave. Je vais aller me régénérer en faisant des crits. Est-ce que c'est possible? Est-ce que mon... Ah mais il y a le même en face, c'est vrai, je vais oublier. Hop là, meurs. Voilà, die. Bon, c'est pas grave, allez hop. Voilà. Meurs. J'ai flash pour le tuer, je sais, c'est pas très bien, mais bon, c'est pas grave. Au moins, il est mort. Là, je vais prendre des popos. Et je vais aller me régénérer. En faisant des creeps. Si c'est bien, c'est nickel. Ok, bon, si c'est nickel, alors. Oh, bim. Allez, stun-le par pitié. Ah non, il a plus de PV, je suis bête. Meurs. Ah, il est mort. Ah. Oh, le pigeon des glaces de la mort de la chèvre. Non, je vais pas foncer là-dedans. Mais il a plus de PV encore que moi. Ah non. Oh, lui, par contre, stun. Oh, mon dieu. Par là. Les champignons. Là, je fais genre, je me casse s'ils arrivent. Death from above. Non, même pas. Allez, ils vont bien marcher sur un champignon là. Potion. Ils arrivent par la gauche, non? Vous voyez, s'il y avait un jalon, je l'aurais posé à gauche là. Non, ils sont à gauche en fait. Ils sont en train d'essayer de tuer l'autre. Oh, raté. Ok, bon, j'ai plus trop moyen de régén. Il y a des mecs à droite, il y a des mecs qui vont arriver par là, je sens. Voire par ici. J'ai un peu peur. Ça vous dit pas de back, les gars? Ça sent mauvais là, ça pue ce qu'ils font là. Bébé. Il a combien de last hit le mec en face qui joue mon héros là par exemple? Irelia, 65, j'en ai 73. Bon, je suis pas top, mais je fais du 4-3-4 et lui 4-7-2. Ah ouais, forcément. Alors. D'accord, je comprends bien, oui. Meurs. Ah, mon ulti n'a pas touché. Avec précision. Ah, faut quand même que je fasse mes 3 lames, parce que sinon, elles sont gâchées, j'ai l'impression.
Ah ouais, elles sont gâchées quand même, d'accord. Bon, ça, je savais pas. Vous voyez, encore un truc que j'ai appris maintenant. J'aurais pu le déduire, je suis d'accord. Taillons-les en pièces. Ah, il y avait le pigeon qui voulait se TP. C'est pas grave. Va acheter ta trinité. Non ! Moi, je n'achète que quand je meurs. On n'a pas besoin d'items. On a besoin que de l'XP. L'XP des spells. On va se faire engage ou pas, là ? J'ai le temps d'aller faire des creeps. Toujours pas de creeps. Ah. Je vais le charger à travers les fougères. C'est un peu chaud pour charger à travers les fougères là. Il faudrait qu'il soit vraiment sur le bord. Et pour l'instant, ce n'est pas le cas. Je vais dash sur. Je pense sur Irelia. C'est ça, Irelia. Et je vais la stun direct. Ou pas. Ou pas. Hop, toi t'es mort. Oh, t'es mort. Oh, oh, oh. Bon, j'ai fait l'engage, voilà. Je savais que j'allais mourir en faisant ça, mais j'ai fait l'engage. Ah, par contre, je sais pas ce qu'ils vont faire mes potes avec. Ouais, c'était pas top. Là, c'était un peu bad. Pour l'instant, 2 pour 2, ça va. On a limité la casse. Ah non, 3 pour 2. Ouais, c'est bof bof. Mais de toute façon, la game a l'air d'être assez gagnée dans l'ensemble. Donc, c'est pas grave. Jamais focus le tank. Ouais, je sais. Trinité, c'est fini. J'ai même pas fini mes bots, punaise. Vous m'avez même pas fini mes bots. Je vais passer pour un gros noob. En plus, j'ai plus de jalons. Mais c'est bon, là, je peux en racheter. Y'a pas de problème. Alors, jalons. Deux jalons. Il fait froid, punaise. Oh là là, qu'est-ce qu'il fait froid. Alors, deux jalons. 19h33, encore une petite heure à passer ensemble, mesdames et messieurs. Tu as le passif d'Irelia. Qu'est-ce que c'est? Réduit la durée des avancements, la progression des pleurs, la durée des une broche. Ok. Je ne savais point. Oh, lui, je sens qu'il va mourir là. Oh, oh, Brainhead. Oh, oui, comment on peut être aussi stupide, quoi? Oh, Alistar, il est nul. Ah, il est mort, Alistar. Ah, je suis en train d'y aller, mais ça va être trop chaud. Je vais aller par là. Ah, c'est quand même le chemin le plus court. Oh, tiens, il s'est barré. Oh, zut. Oh, zut. Oh. Oh, interruption. Mon Dieu, quelle horreur. 400 gold, j'ai enlevé sa série meurtrière. Bon, c'est pas grave. Hop. Hop. Hop, 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 hop. C'est assez facile de la stit avec ce héros, hein. Bon, faut pas être radin niveau mana, mais... Et encore, ça coûte pas tant que ça, quoi. Franchement. Franchement, ça coûte pas tant que ça. Hop. Y'a pas un truc qui permet d'attaquer en zone, comme ceux qui jouent à Dota, comme la Battle Fury. Y'a pas un truc comme ça à LoL. J'aimerais bien avoir ce genre d'item. J'en ai jamais vu. Enfin, ça existe sûrement, hein, mais bon. Alors, il y a pas des champignons là. Le Tiamat, 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 Tiamat. J'ai envie d'acheter ça, mais c'est faible. Ah, c'est faible. C'est utile que sur certains persos. Genre là, franchement, Tiamat. Ce serait pas de la bombe pour mon perso là? Merde, j'ai flash. Ah, putain. Ah, mais parce que c'est mon E le flash et j'ai un peu glissé avec mes doigts de gorille là. Donc voilà. Ah, il avait moins de PV que moi, j'ai voulu le stun, je suis stupide quoi. Et bon, il a back en arrière. Oh, j'ai flash, je suis deg. Y'a pas des creeps là? Pourquoi y'a jamais les creeps? Je vais aller chercher le bleu, vous allez voir. Foudez mes spells, moi. Ça va mal aller cette histoire. Oh, le bleu est pas up, punaise. Oh, derrière moi. Qu'est-ce qu'il veut lui? Tu veux me test? Oh, allez, meurs. Tu vas mourir, oui. Non mais dis donc, c'est pas parce que je t'ai raté là avec ma charge que tout de suite faut s'emballer en mode je te déboîte. Oh, bah, passez par là, parce que là ils vont back. Alors qu'en fait, Death from above. Ok, j'ai plus de vie, je sais, on se casse. J'ai plus de vie, reste à côté des champignons au cas où, je vais aller steal Alistar avec mon 1. Vite le steal, raté. Oh, oh le pigeon. J'espère que ça va pas trop me faire de damage. Oh, meurs. Nice, bon je l'ai pas eu. Mais dommage. Ça aurait pu fonctionner. Raté, je me casse. Adieu. Oh, quoique, ils sont combien? Oh, ils sont 4 morts, je reste. 4 morts, je reste, les gars. Bim. Y'a qui en face? Corki, ouais, il est nul. Alors là, pour le coup, je peux stun n'importe qui, quoi. On va détruire cet inhibiteur. Oh non, l'inhibiteur! J'ai pas envie qu'il me fonce dessus. C'est bon. Oh mon dieu, les super Zebeyir. Hop, le stun.
Voilà, nickel. Je les stun comme ça. Oh, je l'ai raté. Oh la vache, la vache, la vache, je suis pas très bien. Mourez tous. J'avais une lame à dépenser, fallait que je le fasse. Bon, je l'ai fait quoi. Allez, on y va. Ton 2 te soigne en tapant les bâtiments. Ah ouais, pas mal ça. Pas mal. Y'a pas des creeps là? Oh si. Vas-y mec, sérieux, tu veux pas me laisser les creeps quoi. Oh, il est stun. Je me suis heal. Le stun. Allez, meurs. Allez, meurs. Meurs. Oh, il est mort. Oh, merci le mur. Oh mon dieu. Un allié a été tué. Oh mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Oh, cours. Cours, je t'en supplie, cours. Oh yeah, oh yeah. Merci le mur en tout cas, hein, c'était vraiment parfait. Si on sauvait la vie du mec. C'était méga risqué ce que j'ai fait. En plus pile dans les fougères. Mais au moins regardez, ça la stun. Ça a peut-être permis un kill. C'est ce que je me dis en tout cas. Donc c'est plutôt pas mal. Allez hop. Mais attention au greedy feed quand même. Mais bon là c'était pour sauver mon pote. Enfin bon. Alors, franchement. Alors qu'est-ce qu'on achète maintenant? Qu'est-ce qu'on achète? Si j'achetais l'ange gardien, ça permet de reste. J'adore cet item. Je l'achète. Je ne regarde même pas ce que vous dites. Je l'achète. 1200. Merde, trop cher. Bon, pas grave, j'achète des jalons. Voilà, 4 jalons, ça devrait suffire. Allez, on retourne dans la partie, mesdames et messieurs. On y va, on y va, on y va, on y va, on y va. Voilà, j'achète ange gardien, ça permet de raise, j'adore. T'as pas de PV. Bah justement, si j'ai pas de PV, y'a pas de souci. GG Wellplayed reporte Anivia and Corki. What the fuck? Aucune idée. Osef. Ah, je suis lent. Un ennemi a été tué. On va poser du jalon. Genre ici, au cas où un mec veuille sortir de la base pour creep en fait. On va contrôler la sortie de leur base. Regardez, hop, et hop, voilà. On contrôle la sortie de leur base à droite, enfin à gauche, pardon. Et on va en poser une peut-être à droite. On va poser une là en fait. Moi j'aime bien les wards ici. Non! Oh, ils l'ont pas eu. Okay. La ward ici c'est vachement bien, ça permet de. Enfin, je sais pas si c'est bien à League of Legends, mais dans les autres MOBA c'est quand même pas mal. Parce que ça permet d'avoir toujours la vision sur le haut. Et comme ça vous savez quel héros vous attend si jamais vous y allez. Donc voilà. Là si un mec sort pour creep, on le défonce. Allez. Vous voyez là par exemple, on voit ce qu'il y a au-dessus. On voit l'imbécile de Corki. On sait pas où sont les autres, hein. Ils sont bien reculés. Parce qu'ils ont vu ma ward en plus, donc ça les fait fuir. Ils savent qu'on les voit. Oh, il y a le gros port d'Alistar. Allez, bon je l'ai pas stun, pourtant j'avais un peu moins de PV. Ouais non, j'étais full life. Meurs. Oh, j'ai pas réussi à le steal, punaise, je suis deg. Ah, meurs. Oh, je me fais défoncer. Mais j'ai engage. Voilà, comme ça. Oh, oh la vache, oh le pigeon, j'avais pas vu. Mais qu'est-ce qu'il faisait là? Qu'est-ce qu'il faisait là le mec? Le mec, tu sais, le mec, revient. Oh, j'étais en train de faire Nashor. Oh, le pigeon, quoi. Qu'est-ce qu'il faisait là? Il y avait aucune chance qu'il soit là. Complètement con, le type. Sérieux, quoi. Le pigeon. Use my mushrooms, idiots, when you back. Et ouais, mais bon, mec, ça va, quoi. Pas tout faire. Enfin bon, but. Oh là 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 là. Complètement con, le type. Il me faut 1200 gold. Je vais aller farmer ça, je pense, avant de retourner en teamfight. Qu'importe mon équipe. 38-25, ils sont en train de remonter, hein, faut se méfier. Oui, oui. Back, sinon tu vas mourir en fait. Parce que là, il y a l'autre qui va arriver par là. Il va se faire. Oh, il va se faire sandwich, comme il est mort lui. Je suis mort. J'ai plus de jalons, je suis un peu deg. Bon, toute leur forêt est ward. Moi j'adore avoir des wards partout, c'est nickel. Enfin bon, alors. J'allais farm du stuff, j'allais chercher le rouge. Je sais que c'est pas utile à moi, tout ça, tout ça. Ah, le rouge. Ah, ah, meurs, tous mes spells en même temps. Ça fait quoi déjà? Ok, d'accord. Les points. Les PV restaurés sont doublés pendant 6 secondes. Ouais. D'accord, ça fait quoi? Infliger 180 points de dégâts. Très bien. Allez hop. Bon, j'ai 100 creep steal à 30 minutes. Ouais, je sais, c'est mauvais. Honnêtement, hein, je sais que je suis pas ouf en la steal. On va traverser là. Non, c'est just.
pense que j'ai eu l'XP, non? Est-ce que quand on est là, on prend l'XP? J'en sais rien. Il y a pas mal de champignons middle. Go! Oh, go mid! On va les déboîter. Alors là, on va les déboîter, là. Allez, meurs! Meurs! Voilà. Oh, qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'il est nul. Mais comment on peut être aussi mauvais? Allez, bah, meurs. Je le laisse à mort. Ah non, je voulais pas le kill. Il y a un mec là, les gars. Il y a un mec ici, je vous le dis comme ça, en toute amitié. Je vous le dis, voilà, il y a Alistar, il est là. Voilà, bon, ok. Voilà. Oh, j'ai pas réussi à le stun, je rêve. Oh, dear God, mother shit. Voilà, c'est bon. Allez, venez m'aider, les gars, sérieux, venez m'aider. Mayday. Meurs. Yeah, t'es mort. Hop, je heal tout le monde. Hop là. Interruption, meurs. Oh, yeah. Oh, on a As l'équipe d'en face, ça c'est parfait. Donc là, on peut y aller devant ici. Die in air. Die. Allez, meurs. On l'avait déjà détruit ce truc, hein. Faut arrêter de faire des repop comme ça. Hein. Pas très bien ça. Bon, allez, voilà. Oh mon dieu. Oh là là, on se calme. Alors, c'est-à-dire que le truc est dépop, mais on peut pas quand même marcher dessus, quoi. C'est quand même décevant. Assez décevant. Bon, je vais foncer sur Corki, ça m'a gavé. Est-ce que j'ai assez pour acheter? Ouais, j'ai assez pour acheter un nice wall. Lui, il est complètement nul. Sérieux. Allez, c'est ça, Alistar, c'est ça, stun-moi la gueule. Ah, il me défonce. Ouais, poursuivez-moi, Grisisfait, tiens, des lames dans la gueule. Oh, on se fait défoncer. Oh mon dieu! Oh mon. Pourquoi je suis revenu? A votre avis, pourquoi je suis retourné en arrière? Je ne sais pas. Je n'en ai aucune idée. Oh! Les champignons! Oh! Je vais revenir par ici parce qu'il y a mon pote! Viens ici! Non, mais me bloque pas! Oh! Il est mort à ma place. Merci! Thanks! Oh, ben moi je suis pas mort. Alors oui, j'ai pas l'habitude d'appuyer sur T pour me téléporter, ça c'est normal. Bon ben les gars, hein, c'est bon, j'ai survécu. Voile de la Banshee, je vais faire ça, tiens. Non, je vais faire ça, qu'est-ce que c'est ça? Oh, de l'attaque en plus, non, je m'en fous. Je vais faire ça, allez hop. Hop, 450, NP, je vends mes bottes. Non, je rigole. Non, fais pas ça, Zerata. Je vais acheter des jalons, voilà, des jalons. Hop, 5 jalons, c'est parfait. Allez, on défend. On les défonce, on push, on gagne. C'est pas très compliqué ce jeu, allons-y. Allons-y les gars. Prends un bout du rouleau. J'arrive, copain. J'arrive, ne t'en fais pas. J'arrive, go. Go. Hop. Elle meurt. Ah là là, il est mort. Il me restait 2 lames. Bah c'est pas grave. Alors là je vais aller ici pour choper l'abruti qui back là-bas. Et ils nous poursuivent. Bon. Ah ok. Finalement il se fait death from above. Il se fait voilà. Il se fait poursuivre. Mais il peut pas reculer sur son champignon. Mais qu'il est bête. Le mec pose un champignon, il se met à côté. Ouais, NP c'est bon, nickel. En fait, il s'est dit si je clique droit c'est plus rentable que si je recule sur mon champignon. Je pense qu'il a dû dire ça, enfin je vois pas qu'est-ce qu'il aurait pu dire de plus. Est-ce qu'on peut stun Nashor? Eh, il a eu plus de PV que moi, c'est dégueulasse! Ah! Enfin bon! Là c'est cool, je me fais bien déboîter en tout cas, c'est parfait les gars. Moi ça a l'air d'aller pour l'instant. Bon ok, on a tué Nashor et tout, mais hop! Allez, ça suffit bordel. Allez hop, une ward là! Une ward ici, qui commence à avancer de plus en plus, hein. End this shit! Il y a un mec très vulgaire dans notre équipe. Je vais en mettre une ici plutôt. Là, plutôt qu'ici. Et je vais en garder une pour remettre là-haut, comme j'ai fait tout à l'heure. J'ai plus trop de PV, ça m'embête. Oh la vache, les dommages! Alistar, la vache laitière! T'es fait des pop. Ah bah toi, t'es stun. Très très fort, l'Irelia d'en face. Là, je dois reconnaître que j'ai trouvé mon maître. Oh, tu te calmes, t'es mort. Moi j'ai mon ange gardien, je m'en fous. Oh le pigeon, tu vas prendre une sauce. Oh t'es mort. Voilà, meurs. Oh le pigeon, Osef. Voilà, hop.
Voilà. Hop. 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 Ouais, la fontaine, on se... Mais j'avais mon ange gardien. Pourquoi je suis mort, en fait? J'avais un... Là, j'étais mort, on est d'accord? Je suis deg. J'aurais pas dû mourir. Pas normal, trop mal fait, ce jeu. Bon, ben voilà, encore une victoire de canard. Ouais, 8, 6, 15, 6, 5, 23, 6, 7, 9. Ah, le Guardian Angel ne marche pas sur la fontaine. Quoi? C'est de la merde. Comment on fait? Comment on fait pour savoir ça si on est débutant? Hein? Ben on peut pas. Eh ben on peut pas. Eh ben c'est super. Eh ben merci Riot. Ah, d'ailleurs ça me fait rire parce que Irak dit Rio. Donc chaque fois qu'on discute, c'est très rigolo. Ouais, parce que tu sais Rio machin avec nous. Ah ok, Riot, d'accord. Publicité, à tout de suite, on revient. À toutes. Mid. Il y a un mec qui a écrit trois fois mid. Et ce mec là, eh bien c'est Bearder Barbar 2. Et c'est ce mec, Timo. Alors il y a Timo, Cartus, Jax, trois héros que j'ai déjà joué. Et ok. Donc qu'est-ce qu'il faut que je joue, les gars? Alors sachant que lui n'a pas encore choisi son héros. Donc moi je suis pour prendre le héros en dernier. Alors deux personnes qui me demandent Kale. I was first, please. Ah, il y a deux mecs qui se battent pour le mid. Aïe, 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 je sens que ça va se fight un petit peu. Ah, Sion. Il y a trois personnes qui ont dit Sion en même temps. Sion, quatre personnes. Comment peut-on perdre sur un jeu avec quatre boutons? Eh bien, tu sais, Dota, c'est aussi quatre boutons. Il y a des gens qui perdent. Là, l'équipe d'en face a perdu, par exemple. Alors, go Urgot. Urgot, c'est fun. Pas Urgot. Alors, le mec a pris Maître Yi, hein, pour le fun. Enfin, pour l'info, je voulais dire, pas pour le fun. Urgot, non, ça m'a l'air bof ce truc là. Flèche d'acide, tiens, une flèche d'acide qui frappe le machin. Kale, Galio, Kale. Je vais tester Kale, allez hop. Ah non, je hais ce héros. Ah, je déteste ce héros. Malphite, je l'ai déjà joué, allez, je prends Urgot. Je m'en fous que ce soit pas adapté à mon équipe. Ah, je déteste Kale, je le trouve trop moche. Je trouve qu'il se déplace de façon absolument horrible, horrible, horrible. Je prends Urgot. C'est parti. Je ne connais pas ce héros. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'on pourrait avoir des informations sur ce héros? Urgot tire une flèche d'acide qui frappe le premier ennemi touché et le ralentit si capaciteur terrifiant est activé. Capaciteur terrifiant. Urgot charge son capaciteur pour profiter d'un bouclier. Tant que le bouclier est actif... Ah, j'ai pas vu. Bordel. Oh, Kale, affreux. Affreux le Kale. Kale, je sais pas si on dit Kale, Cole Kill. Mais je hais ce héros. Je le trouve trop moche. Je ne peux pas jouer un héros trop moche. D'ailleurs, la dernière fois, on m'avait fait jouer un héros trop moche qui avait un gros engrenage derrière lui, là. C'était trop moche. À tel point que j'avais dit, oh là là, ce héros il est trop moche. Il avait réalisé que après que c'était moi, je sais plus qui c'était. Mais Zilean, horrible. Trop moche. Alors là, affreux. Complètement affreux. Alors donc, qu'est-ce que je voulais faire? Oui, d'accord. Donc après moi, ce sera Dogby, hein. Dogby qui va nous faire, eh bien, je crois, un résumé de l'info de League of Legends. Enfin, vous allez voir, c'est assez complet ce qu'il a préparé, il me semble. Et voilà. Alors, tac, machin, ça c'est bon. Pendant ce temps-là, je suis en train de regarder comment ça se passe au niveau de... Ok. Donc on a encore un mec déconnecté. On avait un mec déco tout à l'heure, mais ça nous a pas empêché de gagner. Pour l'instant, je suis à deux parties gagnées et c'est la troisième. Donc après, bah, je serai quasiment de façon certaine en positif, puisque... Puisque quoi? Puisque bah, ce sera la dernière partie, mesdames et messieurs, il est 19h50, en espérant que cette partie dure moins de 30 minutes, tout simplement. Enfin, de 40 minutes, puisqu'on est ensemble jusqu'à 20h30. Je suis Zerator, et vous pouvez aller liker ma page Facebook, Zerator, sur laquelle vous êtes 7690 avant de commencer ce stream. Voilà, et maintenant vous êtes 6691, donc une personne est allée like. Bravo, merci à toi, ça fait plaisir.
Alors, Zerator va rien comprendre à Urgoth. You underestimate my power. Non, je sais pas, j'en sais rien. En tout cas, ce qui est certain, c'est que là, on a un Karthus qui lag à mort. Ça, c'est pratique pour un mec qui doit viser avec des bombes, je trouve. Donc, c'est plutôt, plutôt sympa. Et voilà. Alors, invocation. Alors, il y a Kayle en face. Mais pff, comment on peut jouer ce héros, quoi? Qu'est-ce qu'il est laid, mais qu'est-ce qu'il est laid. Je trouve ça affreux, quoi. On ne peut pas jouer ce héros décemment. Décemment. Je veux dire... faut arrêter, quoi. Alors... Pourquoi j'ai ce mec qui me... Non, je ne sais pas. Comme stuff, prends linceul de glace, Bruta, cœur gelé et t'as gagné. Ah, c'est le stuff qui fait gagner maintenant. Urgoth ressemble à Pudge. Ah bon, je croyais que c'était Blitzcrank qui ressemblait à Pudge avec son grappin, là. Et ouais. Je pensais pas qu'il avait un grappin. Urgoth, je suis très mauvais avec Pudge dans Dota, donc... ça risque d'être une belle catastrophe ici. Si jamais c'est un petit peu pareil. Ah, visuellement. Ah oui, c'est vrai, on dirait une abomination, ouais, c'est vrai. Visuellement, c'est vrai. Brutaliseur, cœur gelé, voile de la Banshee et c'est GG. Ah! Te fie pas aux apparences, c'est pas mal, Kayle. Ah non, mais je sais! Je sais que ce héros est pas mal, en plus, il m'embête complètement quand je joue contre lui. Je le trouve juste moche, c'est tout. Il est juste beaucoup trop moche, et moi, je n'aime pas les héros moches. Voilà. Voilà, c'est tout. Et Urgoth, bah, il est moche, mais au moins, c'est annoncé direct, tu vois. Alors que là, c'est genre... La paladine de la lumière, de la mort, et en fait c'est trop laid quoi. Trop laid. Ah c'est laid, ah, c'est vraiment très laid. Est-ce qu'on pourrait lancer la partie par contre? Le temps de chargement est assez long à ce jeu. Hein. C'est ça le problème. Bon après c'est parce qu'on a 5 personnes qui chargent, mais... Pour un jeu fait comme un dessin animé, quand même. alors, eh bien c'est parti, on est dans le jeu. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ah oui c'est lui! Ah trop moche, il est trop moche. Il est trop moche mais c'est pas grave. 3 potes et les bottes. Allez, où est-ce que je vais? Bottes, je vais bottes. Alors qu'est-ce que c'est? Alors, Urgoth tire une flèche en direction de la position du curseur qui inflige 10 plus 47 points de dégâts physiques. Alors orange c'est quoi? C'est AP, c'est ça? Non, je sais plus. La flèche est verrouillée sur la cible si vous maintenez le curseur sur une cible touchée par charge corrosive. Alors c'est AD. Orange c'est AD, d'accord. Un invocateur s'est reconnecté. Urgoth charge son capaciteur et profite d'un bouclier qui absorbe 80 points de dégâts pendant 7 secondes. Tant que le bouclier est actif, les attaques et les projectiles d'Urgoth ralentissent 20%. Rien compris. Je relis. Urgoth charge son capaciteur et profite d'un bouclier qui absorbe 80 plus 0 scalé sur la P. Points de dégâts pendant 7 secondes. Tant que le bouclier est actif, les attaques et les projectiles d'Urgoth ralentissent 20%. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Urgoth lance une charge corrosive à l'endroit indiqué. Ok, les ennemis dans la zone d'effet voient leur armure réduite de 12% et subissent 75 plus 2 points de dégâts physiques en 5 secondes. Donc là, ils sont en train de se battre pour le middle, donc il y en a probablement un des deux qui va live, c'est pas grave. Flèche acide est capable de se verrouiller sur les cibles affectées par charge corrosive. Oh, ça m'a l'air trop relou, ce héros-là. Qu'est-ce que vous voulez que je prenne comme spell? Qu'est-ce que vous voulez que je prenne comme spell? Le 1 en first. Allez, hop. Donc hop, je le teste. Ok, nickel. C'est comme ça que ça se passe. Bon, je le teste une fois. Bon, ben on va le bannir, lui. Pourquoi il floute comme ça, là? Allez, meurs. Meurs, meurs. Voilà. Voilà. Meurs. Vu qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de modérateur. Meurs. Alors. Allons-y. Je bloque les creeps. Alors c'est un héros distance ou cag? Ok, il y avait une Nunu dans les bois. Hop, meurs. Ah ouais, c'est cool, j'aime bien les héros comme ça là, qui sont un peu relous. Allez, meurs. 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 Ouais, ouais, meurs. Eh bah t'es déjà mis de life. T'en es content de ton héros? Alors, ah c'est un distance. Ok, c'est pas un cac. Meurs. Faut que je fasse d'élastite avec lui ou pas? Dites-moi. Hein. Et toi, t'as plus de mana. Ouais, mais il vaut mieux avoir plus de mana que plus de vie, j'ai envie de dire. Meurs. Oh, je l'ai raté. Premier ratage. Ah, ça m'a l'air chaud de l'acide avec lui. Bon, ses attaques sont assez rapides quand même, mais... Oh, ça m'a l'air bien chaud. Quoi? Je l'ai pas touché, là? Ça l'a transpercé. Revoyons l'action au ralenti. J'ai envie de harass et de prendre zéro lastite.
Ah, j'ai le nez qui me gratte. C'est pas grave. Je peux jouer à une main, y'a pas de problème. Je vais essayer de Arras. Prends le E. Alors le E c'est quoi? Le troisième. Donc, qu'est-ce que c'est le E? On fait ça, et après il faut faire ça dedans, c'est ça? Ouais, c'est d'après ça, compris. La flèche est verrouillée sur la cible si vous maintenez le curseur sur une cible touchée par... Ah ouais, d'accord, je comprends. En gros, c'est un missile à tête chercheuse si jamais le mec est dans ma flaque, c'est ça? Un invocateur. Enfin, c'est pas dans la flaque, mais s'il a le debuff vert que je pose avec mon 3. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. Oh! Allez, tu vas... Bordel. Mmh. Pas trop de dommages, hein. Fait pas trop de dommages. Ok, avec portée augmentée. Ah la vache, ça me gratte. Il y a un virus à la GH, je vous l'ai pas dit, mais on est tous malades. Enfin, moi pour l'instant ça va, je suis pas encore mort. J'ai vaincu la maladie. Mais tout le monde est malade à la gaming house. Meurs. Meurs. Donc tout le monde essaie de s'éloigner de chacun en ce moment. Hop. Donc maintenant on vient en combinaison. C'est plutôt pas mal. Premier sang. Bah c'est Cartus. Alors est-ce que Cartus est mid finalement? Oui. Ah bah Cartus et Timo font une double lane mid. Alors ça c'est bien pourrave. Enfin bon. Ok. Et ça c'est Jax avec moi c'est ça? Le druide médiéval, le corbeau. Raté. Raté le frutto de la mort. Oh tiens, voilà le héros le plus moche du jeu, il est level 1. Regardez, non seulement il était moche, mais en plus il est AFK quoi. Alors là, franchement, il a tout perdu lui. Et la banane. Attendez, je vais test quand même. Ah, il est... ah je l'ai pas touché, quel abruti. J'ai dépensé beaucoup de mana pour pas grand chose là. Meurs. On est plutôt focus lui, ouais, j'allais dire. Laisse-moi passer devant. Merci, meurs. Voilà. Que sinon il y avait Nunu devant, c'était un peu gênant. Donc là, genre, je fais ça. Ah ouais, sa tête chercheuse, pas mal. Ah ouais, c'est pas mal du tout. J'ai pas assez de mana. C'est pas mal, c'est pas mal. Ok. Bon, j'ai compris. Je crois. J'ai compris mes deux spells. Après, je comprends depuis le milieu. Je ne l'avais pas vu. Est-ce que si je vise un mec... Alors attendez, question un peu compliquée. Je vais essayer de la formuler le mieux possible. Est-ce que si je vise un mec qui a ma charge corrosive, mais qu'un allié passe devant, je touche quand même le mec avec mon missile à tête chercheuse ou pas? Est-ce que je touche quand même? Oui, je touche quand même, d'accord. Donc là, j'ai pas assez de mana et je suis stupide, d'accord. Bon là, j'ai un heal dispo, donc j'ai envie de me la péter un petit peu. Voilà. Ok, oui, il est touché. Merci pour vos informations. Elles me sont très précieuses. Oh! Vous êtes vraiment les meilleurs. Est-ce que ça touche les creeps à travers ou pas? Bah, écoutez, ça, je vais le vérifier direct. Ok, ça touche les creeps à travers. D'accord. Bon, j'en ai gaspillé un, mais c'est pas grave. Maintenant, je le sais. Vaut mieux gaspiller. Ne pas faire n'importe quoi quand le moment sera venu. Alors, par contre, pourquoi ça fait un petit rond vert à chaque fois que je tape? Ça doit être mon passif de ça. Non. Non. C'est quoi mon passif? Les attaques de base réduisent de 15% les dégâts infligés par la cible pendant 2,5 secondes. Ouais, ok. Bim. Meurs. Repliez-vous. Ça va, le mec mid là, il va pas venir nous chercher tout de suite. Si? Je sais pas. Ah, il veut plus que je clique droit pour que la lane soit push. Il a raison. Je vais arrêter de push la lane. Oh non, retourne dans les bois, je vois pas où est Nunu là. Bon, je me mets devant un creep comme ça. Ah ok, je pensais que... Bon, d'accord. Je pensais mal, tant pis. Allez, meurs. Oh, Nico Frutore, la mort. Oh, je l'ai raté, non, je l'ai eu. Meurs. Ça fait mal quand même, hein. C'est un peu relou ce truc. Oh, raté. Meurs. Oh, raté. Meurs. Raté. Oh mon dieu. Je fais assez peu de l'acide là, je suis à 25 en 8 minutes. C'est nul. Nul. Alors l'ultimate. Oh là. Alors là, il va falloir m'expliquer parce que j'ai la flemme de lire. Pas vraiment le temps non plus. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment ça marche?
Attaque Kayle plutôt. Ouais, mais Kayle ne se met pas à portée d'attaque, les gars. Donc. Je vois un peu ce que je peux. C'est un swap. Ah, d'accord, c'est un swap. C'est un swap. Ok. C'est un swap. Eh bien, d'accord. Oh, il y a le doigt de voir le mec mid qui arrive là. Aïe, 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 pour qu'il s'excite comme ça. Il va voir le mec mid qui arrive. Je vais me téléporter. Ça vaut mieux, je pense. Ah, il arrive là. Non, le mec mid n'arrivait pas. Bon, je sais pas, ils m'ont foncé dessus en mode c'est maintenant qu'il faut y aller. Alors, qu'est-ce que j'achète? Déjà, je vais finir mes bottes. Ensuite, je vais acheter un jalon. Ensuite, brutaliseur. Ah oui, on m'a dit d'acheter ça. Cœur gelé. Ah oui, cœur gelé alors. Mais c'est relou parce que je sais pas où c'est moi. Cœur gelé. C'est où? Magie. Mana. C'est là, non? Oh là, c'est là, je suis trop fort. Alors là, ça veut vraiment dire que je suis en train de devenir un pro. Quoi. Quand t'arrives à retrouver des items comme ça. Ah zut, j'ai ping là. J'ai ping la maison, je vais prendre une potion de soin aussi. Hop, allez. On y va, on y retourne. Kael, pourquoi il lui fonce dessus, Greedy Speed? Imbécile. Imbécile de Jax, mort, qu'il est nul. Ah la vache, comment on peut être aussi mauvais. Il est 20h02 et on a encore minimum 10 minutes de game, ça fait plaisir. Ah, je suis là, tiens, je suis sur la lane. Le mec, eh ben il est où mon héros? Eh ben il est sur la lane. Ouais, bon. J'espère que tu vas pas qu'est-ce creep après. Oh non, 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 je me suis trompé, c'est relou là, c'est relou. Hop, oh raté, je vais rendre un peu de l'astie. Go. Oh non, c'est pas vrai. Ça va, je l'ai eu. Ça va. Ouais, ok. Alors on y va, mesdames et messieurs. Ah voilà, il faut que je jalonne la fougère. C'est bon. Maintenant que la fougère est jalonnée. Ça, je vais aussi jalonner cette fougère d'ailleurs. Oh. Voilà. Cette fougère est jalonnée. Mesdames et messieurs. Ouah. Meurs. 100 de damage. C'est énorme. C'est énorme. Alors un carré on avait dit c'est 100 HP, voilà. C'est ça qu'on avait dit. Die. Oh allez. Oh, il y a le mec mid qui arrive. Ça se sent qu'il arrive. Ah le swap. Ah mais c'est que dalle de portée. Oh punaise. Est-ce que... Attendez, je teste un truc. Vous m'aviez pas dit ça, que c'était pas instantané, dis donc. Vous m'aviez pas dit que c'était une incantation. Du coup, je me suis pris l'ulti de Nunu comme un gros retard. Et je passe pour un gros débile. Et je suis mort à cause de vous. Bah merci, bah super. Parce qu'en fait, ce que je me suis dit, c'est... Je vous explique quand même pourquoi je suis mort. Je me suis dit, si jamais c'est instantané, Nunu est en train de faire son ulti. Donc, je le swap instantanément. Comme ça, ça annule l'incantation de son ulti. Et en plus, il sera plus près de mon pote et moins loin de sa tour. Voilà ce que je me suis dit. Je ne savais pas que c'était une incantation. Donc maintenant je le sais. Bon, c'est pas grave. C'était débile. Bah non, c'était pas du tout débile. C'est pas grave. Tant pis. Quand tu cancelles l'ulti Nunu, tu prends les dommages quand même. Encore un truc que je ne savais pas. Bah écoutez, maintenant je le sais. Donc comme ça, et bah c'est parfait. Alors par contre, cœur gelé. Donc il n'est pas là. Alors que cet item sert à faire cœur gelé. Donc c'est très très bien. C'est très pratique. C'est pas là. C'est pas là, c'est dans mana, c'est là. Votre équipe a détruit une tourelle. J'ai pas assez, donc j'ai mis un quart d'heure pour m'en rendre compte, c'est nickel. Et maintenant il faut que je retourne dans les consommables. C'est cool le temps perdu, en tout cas ça fait plaisir. Alors je vais même prendre une potion de mana, tiens. Hop. Allez, on y va. Alors, on y va. Tu choisis la pierre philosophale. Ah, c'est pour ça. Pierre philosophale. Meurtre en série. Non. Parler peut-être quelque chose. Il n'est pas présente non plus. Avançons. Bon, je sens que je vais suck ça cette game. Je sens que celle-là on va la lose là. Alors là, je le sens pas bien là.
Bon, le bouclier qui absorbe des dommages, tout ça. Ok, ils sont là. J'essaie d'observer un petit peu. Je suis pas top avec ce héros. En plus, j'ai claqué mon flash dans la panique. Comment ça peut ne pas le toucher, quoi? Il est où? Sérieux, quoi. Sérieusement. Hop. Quoi? Mais genre. Mais quoi? Mais pourquoi ça touche pas? Parce que c'est à la limite du pixel, c'est ça? Franchement, ça, c'est de la chance, quoi. J'en ai dépensé au moins 4 pour rien. Je suis deg. Ah! Là, ça l'a touché, par exemple. Voilà. Il vaut mieux que je ne vois pas le mec, en fait. Utilise ton E avant. Ouais, je sais. Mais je veux pas le gaspiller. Je voudrais pas gaspiller de la mana pour ça, quoi. Ah ouais, d'accord. Faut quand même qu'il soit à portée. Je mets un peu de temps à comprendre le héros, là. C'est pas bien, ça. C'est pas bien. Oh! Mais genre, je l'ai pas touché, mais c'est un truc de ouf. Les hitbox. De toute façon, j'avais déjà dit que les hitbox dans ce jeu étaient trop bizarres. Je le maintiens. Oh, tiens, je vais mourir. Adieu. Tenez, je vais sauver mon pote. Voilà. Ça l'a pas sauvé du tout, mais. J'allais dire, je vais me swap derrière, comme ça, mon pote, ça le sauvera, puisqu'il aura le temps de se barrer. Bon, ça l'a sauvé, mais. Mais voilà, parce que moi, de toute façon, j'étais mort. Après, quand vous êtes mort, ça sert à rien de faire genre. Ah, de courir et tout. Le seul truc que ça va faire, c'est de se rapprocher de votre pote. Et il va mourir aussi. Là, au moins, j'étais sûr de mourir, je m'arrête. C'est pas grave. Enfin bon. Et là du coup ils sont 4 sur lui. Oh punaise. Ah ouais, bah là j'aurais pu faire ce que je voulais. Alors par contre là s'il survit c'est un héros quoi. Ouais ouais. Bah il pouvait pas faire grand chose. 4 héros qui dive comme des gros porcs. Ils peuvent pas faire n'importe quoi. Alors. Donc on y retourne. Magie, mana, cœur gelé. Ah c'est linceul de glace. Voilà c'est ça. Donc c'est celui-là qu'il faut que je fasse. Vous m'aviez mal indiqué. Je vais vendre une popo. Hop. Et je vais attendre un petit peu. Pour avoir quand même de l'armure. Un petit peu d'armure. Malamune, nom de dieu de bouse. Osef. De toute façon, les items... Oh la vache, pardon. À ce moment-là, ça détruit une tourelle. De toute façon, les items comptent peu à mon niveau, tu sais. Là, c'est essentiellement... C'est plus du decision-making qui compte, j'ai l'impression, à ce niveau-là. Qui est assez faiblement présent, puisque les gens ne connaissent pas trop le jeu, en général, sauf les rerolls. Pourquoi il le poursuit alors qu'il est sûr de ne pas pouvoir le tuer? Vous voyez ça par exemple, je ne comprends pas. C'est quelque chose que je ne comprends. Après peut-être que lui aussi ne connaît pas le héros d'en face. Mais bon. Hop, raté. Hop. Hop. J'arrive pas à la stit. Mais Jax attaque tellement vite. Chaud. Ah oui, c'est vrai que le troisième coup est plus puissant. Oh là. Trop chaud de la cité avec ce mec. Oh là, pff, c'est impossible. Bon, lui il est mort. Hein. Je sais pas ce qu'il fout là-bas. On va aller l'aider. Ouais, d'accord. T'es mort. Est-ce que je peux le faire avec un allié le swap? Est-ce que je peux ou pas? Oh, barrez-vous, bordel! Mais barre-toi. Ouais, je peux le faire avec un allié, tu vois. Ah non, je peux pas. Ah ah, super! Super, Zerator. Super. Oh, il y a un pote. J'ai fait mon ulti et tout, je suis vraiment trop stupide, quoi. Ouais, Nunu, nice ulti, mec. Nice ulti, tu gères. Ah, je fais du 1-3, j'ai 40 lastites, c'est vraiment nul en 20 minutes. Complètement nul, là, je joue vraiment pas très bien. Je suis pas très à l'aise avec le héros, j'avoue. Mais active ton boubou. Je l'ai pas pris une seule fois. comment on fait? Ça coûte combien? 425. Ouais. Il a tué machin. Oh, doublé. Ou pas. Et là, lui. Et là, ils vont mourir tous les deux en fait. Ah non, parce que lui, c'est caché. Ah, il ressort pour mourir. C'est bien ça. C'est bien de sortir pour mourir. J'aurais pu prendre ma popo. Moi, est-ce que j'aurais vraiment pu prendre ma popo? Je ne sais pas. Un ennemi est légendaire. Qui sait? Ah bah qui c'est? Bah c'est lui, 9-0 maître Yi, ça fait plaisir. Et voilà, vous avez dit, hop, il est mort. Nice, je vais l'écrire, nice. C'est pas du tout évident, on l'avait pas du tout dit. On l'avait pas du tout annoncé. Si moi j'arrive à anticiper un truc comme ça, c'est que vraiment c'était évident, vous voyez ce que je veux dire? Moi qui ne connais rien au jeu.
Alors là, par contre, c'est évident que je vais mourir si je reste ici, parce qu'il y a les deux autres débiles qui arrivent de là. Est-ce qu'ils arrivent vraiment? Oh putain, ils arrivent. J'attends de voir. En fait, j'essaie d'entendre voir si ça fait shring, voir si. Ok. Ok, ils se sont barrés. Ok. Mais où sont-ils? It's a trap! Allez, posez un jalon. Putain. Oh putain. Faut poser un jalon d'ici là. Ah putain. Oh, oh là 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 là. Non, qu'est-ce que je fais? Oh, qu'est-ce que je fais? Oh là 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 là. Oh, ils sont tous là, punaise. Au moins, j'ai évité le tourbillon. Oh, je vais mourir, je suis mort. Bon, je vais poser ma ward, quitte à mourir. Allez, vas-y, s'il te plaît. Oh, je l'ai posé. Oh, mon dieu. Et ben, c'est une belle dernière game, j'ai envie de dire. Il y a 11-17. Je suis mort 4 fois, ça veut dire que sans moi, il serait à 11-13. On perdrait quand même. Aïe, 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 aïe. En général, on fait pas 3 wins d'affilée dans les MOBA, c'est vrai que c'est très rare. Hein. Non, ça arrive, je rigole, mais c'est quand même très rare. Donc lui, il va mourir aussi, hein. c'est ça l'idée. Mais lui, il est vraiment imba, ce héros, la Metroid. Là. Le mec régène, te OS. Bah là, il est mort, au revoir. Blup, OS. Ah non. En plus, il s'est retourné pour le taper, vous avez vu. Genre, il aurait vraiment pu... Ah bah si, il l'a tué, voilà. Comment il a fait pour mourir, quoi, le mec est... Enfin, je sais pas, il était dans notre base, quand même, quoi. Et un full life, nickel, mid mana, full life. Est-ce qu'il peut pas aussi restaurer les cooldowns de ses spells par hasard? Ce serait pas mal ça. Ouais, 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 Timon. Se rendre. Ouais, je pense qu'on va se rendre. Le problème c'est qu'après niveau timing, ça m'embête un petit peu. Ça m'embête. M'embête un peu. Est-ce qu'on se rend? Est-ce qu'on attendrait pas un peu? Je sais pas. Est-ce qu'on attend pas un peu? Bon, je vais attendre un peu. Je vais attendre un peu quand même. Je vais attendre un vrai teamfight, bon, même si je pense qu'on se fera éclater la gueule, mais on va voir. Ah, je suis tout seul ici, punaise. Trop dangereux, trop dangereux. On sait jamais, ils peuvent prendre... Oh, je suis mort. Adieu. Essayons de faire des damages quand même, T'es mort. Voilà, je l'ai eu. Ah, c'est bon. Et voilà, double kill. Bon, j'ai gagné combien de gold? 600 PO. Nickel. Alors par contre, là, back les amis. Oh mon dieu. Oh non, pourquoi il a sauté? Non, bah, c'est pour se suicider, évidemment. Et lui, il revient pour mourir. Oh là là, la vache, qu'est-ce qu'il est mauvais. Oh, qu'est-ce que... Oh, champignon, nice. Oh, sympa. Oh, dommage. Oh, il l'a eu, punaise, il l'a eu. Nice. Voilà, il est mort. Adieu, va prendre... Poc. Oh, nice wall. Énorme. Ce wall nickel qui nous a placé. Ah, non, je déconne, c'était nul. Alors, c'est parti. 15-22, c'est pas encore forcément hyper loose. Hein. Nous, on a un Yi qui farme bien aussi, là. On est à combien? Il est à combien de la stit? Lui, il a 134 et le nôtre, 96. Ouais. Bon, après, le problème, c'est que l'autre a 13-1, quoi. 13-1, c'est une catastrophe totale. Donc voilà. Moi je fais des lastides avec mon spell, voilà. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. La mort, la seule échappatoire. Alors il parle de moi, je pense, hein, pas des adversaires. Oh non, il y a Jax, punaise. Mais fous-moi la paix, laisse-moi la stite en paix, bordel. Laisse-moi la stite. Oh la vache. Allez, on se casse. On se casse. J'ai encore des wards, ouais. J'ai encore les wards placés. Allez. Tu veux le rouge? Allez, on fait le rouge. Allez, on va lui faire le rouge, il sera content. Moi, je vais prendre les deux petites merdes à côté. Oh, ils arrivent, punaise. Ils arrivent, ils sont là, les gars. Ils sont là, là, là. Mais poussez-vous. Oh, la vache, la vache. J'ai un heal, là, par exemple. Mais pourquoi il perd pas de vie, en fait? C'est pas très rigolo, ça. Ah là, il est sensible un peu plus au damage. Laisse tomber, je suis mort. Oh la vache, gros heal. Gros flash. Gros flash. Et bah les gars, adieu, je suis mort. C'était cool de jouer avec vous. Voilà, meurs. Et bah meurs. Allez, meurs.
Non mais c'est dommage, je l'ai pas touché une seule fois, sinon j'aurais eu le kill. Bon, on va peut-être se rendre là. Ouais, là on va se rendre. Là on va quand même se rendre. La reddition de l'équipe est acceptée. Il est 20h16. Et il est 20h16. Oh là là. Ça embête pas du tout. Je vais regarder comment on peut faire. Alors. Toulou. Défaite, j'ai perdu. Alors essayons de comprendre pourquoi j'ai perdu. Je ne sais pas du tout. Regardez, 2-6-0. Ouais, bah je suis trop mort, hein, tout simplement. Trop mort. Alors que mon équipe aussi est beaucoup morte. C'est-à-dire que Jax 0-7. En fait, c'est en bas. En bas, on a vraiment succès. Comme des agneaux. Et voilà. Bon, niveau 12, c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce que je veux dire? Alors pourquoi tout le monde a... En fait, on peut choisir maintenant, c'est ça, on peut choisir en fait les trucs des équipes en tant qu'avatar, c'est ça? J'imagine que c'est ça, c'est en bas. Ah ouais, d'accord. Dommage qu'il n'y ait pas Millennium du coup. Et ouais, dommage. Ok, bon, moi j'ai la fiole, ça fait toujours plaisir. Et je pense qu'on va s'arrêter là, mesdames et messieurs, puisque la prochaine... 20h30, autrement dit, dans 13 minutes, donc vous aurez un petit peu d'attente avec un Dogby qui prendra, je pense, vers 25, donc ça vous fait moins de 10 minutes d'attente en tout. Voilà. Donc c'est pas une grosse attente que vous allez avoir. En tout cas, c'était le Hello Hell, donc bonjour l'enfer, avec Zerator. J'espère que vous avez apprécié. Demain, je restream, je ne sais pas quand, peut-être que demain il y aura le Raid de WoW le soir et un Hello Hell dans la journée ou autre chose, je ne sais pas. En tout cas, eh bien là, c'est Dwagby qui va vous montrer sur sa petite émission de League of Legends très complète et très, très intéressante. Voilà, j'espère que tout va bien, que vous avez apprécié ce stream. Je vous dis à la prochaine, merci de nous avoir suivis, et à plus, voilà. Salut, au revoir.